Si j'en oublie même de cadrer ma caméra, rien ne va plus. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors pardon si j'ai perdu du temps avant d'émettre, mais je sais pas pourquoi Twitch a fait son paresseux ce matin. Par trois fois, j'ai dû me battre pour pouvoir imposer ma catégorie de jeu et qu'on finisse le killing time. Bon, parfois, il y a des loupés. J'ai pas arrêté pendant plus de 5 minutes, il voulait pas digérer le titre et la troisième fut la bonne. Bon, voilà. Allez, Zou, on va se lancer dans l'aventure. Alors, normalement, vous devriez avoir un bon truc. Ramses, the clock supposedly had powers to grant everlasting life, claimed he found it once, but whatever Hargrove found. Attendez, moi j'ai écran noir, ça va pas. Alors vous. Vous. Ouais, avec un peu de chance. Mysteriously disappeared after a visit by the expedition's patron, Tess Conway. I've picked up the trail where Hargrove left off. It has led me to Heiress Tess Conway's island estate. Ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Alors, il faut que je prenne la reprise. Attendez. Apparemment, je verrai les messages. Bon, bah alors, je vais peut-être laisser comme ça. Et normalement, on devrait le finir là. Sauf que je me souviens plus du tout. Ah oui, alors là, je sais qu'il y a une pièce. Ah oui, je suis poursuivi par la momie. Bonjour Pierrot, j'espère que tu vas bien. Alors que je suis en train de faire des âneries. Attendez, je sais plus. Merde, il y a la momie qui me poursuit. Ce jeu de fou que je suis censé finir, mais je ne sais déjà plus. Patounes, ah oui, c'est merveilleux les patounes. Oh non, la momie qui mangeait déjà. C'est la malédiction. Voilà. Bon, attendez, je vais faire pause et je vais vous lire là. Oula. Oui, un petit coucou, mais c'est très gentil, merci, ça fait plaisir. T'es au boulot, d'accord. En fond sonore, clac, 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 clac. Oui, bisous tout plein. Bah, t'es le premier arrivé, Pierre, sur le chat. Merci tout plein, bon courage pour ton taf. Alors, c'est là qu'il faut que j'aille. Et il reste trois artefacts égyptiens qui assurent l'immortalité à la momie. Et évidemment, faut les bousiller. Ce qui fait qu'après, la grande comtesse égyptienne, là, celle qui se prend pour Cléopâtre, bah, elle devient vulnérable et je vais pouvoir lui exploser la tronche. Voilà. Normalement, ça se passe dans la bibliothèque, là. Non, je prends pas le bon chemin. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, je suis nul. Et puis cette musique, on se croirait, on croit que c'est pas. Voilà. Alors c'est là. Reprise. C'est pas grave. Aïe 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 aïe. J'ai déjà la momie qui me. Patate. C'est un scandale. Bonjour SDR. J'espère que tu vas bien ce samedi matin. Là on va finir et c'est sûr. On va finir le jeu Killing Time. La momie m'en veut, évidemment.
Alors, il fallait revenir dans la bibliothèque pour avoir accès aux trois derniers artefacts qui donnent l'immortalité à la momie et protègent celle qui se prend pour Cléopâtre. Là. Ah, il y a un Isis, fuite. Merde, j'ai pris la l'orbe Manus. Pas bien ça. Ah, un artefact. Une lame. Ah, c'est vraiment dommage que j'ai gobé l'artefact Malus. Bonjour Devil Olive, si je lis bien. Alors pardon, j'ai le... Comment on appelle ça? J'ai le... À cause de la résolution très basse du jeu, je vais avoir du mal à vous lire. Mais ça devrait pas durer longtemps, hein. Je devrais vous faire la démonstration de la fin du jeu en une demi-heure grand maximum. Je pense que même qu'en un quart d'heure ça va être plié. Alors attendez, il me reste deux artefacts magiques à bousiller. Oula. Attends. Ce qui m'intrigue, c'est que là j'en ai fait qu'un. Ah bah oui, les deux autres ils sont dans la bibliothèque, c'est vrai. Ah. Cette maudite bibliothèque. On s'y perd aisément. Elle est chiante cette momie, elle est chiante. Ah ah ah, on voit le truc en pierre. Il faut que j'y aille. Le donjon là, il faut que je l'atteigne. Oh, tu es dans le donjon. Ah, le chemin, il est pas bon. Ah ah ah, si, le voilà. Comment ça se passe? Ah, maudite momie. Quoi comme en caisse? C'est la guerre. Ah voilà. Ah, mais je reste le mourir. Il va mourir. Oui, on fera la partie noire après. C'est la, c'est le deuxième point, le deuxième accès artefact. Oh mon dieu, c'était un piège. Ah oui, le piège a bien fonctionné. Je suis mort. Bien. Oh la vache, c'est la première fois que je vois aussi bien les crocs des crânes rouges. Ils les ont bien dessinés. J'ai emporté une bonne orbe. J'ai entendu le son. Tant mieux. Il reste plus qu'un artefact. Et la momie est dans la mouise. Et la malédiction va être fortement affaiblie. Le dernier artefact est par ici. Ah oui, d'accord, ok. Waouh. T'as le guet-apens. Ah. Oh oui. Merci pour l'orbe cadeau.
Ça ne se refuse pas. Alors pardon dans le chat, mais je lirai après. Parce que là, c'est total action. C'est le grand final, c'est le feu d'artifice. Merde. Alors l'orbe de malus va pas m'aider. Alors, sacro-saint fusil à pépon. Ah, le dernier étage. Ok. Là, y'a quoi? Y'a rien. Merde. Il est une orbe négative. Faut que j'attende qu'elle disparaisse. Voilà. Et là, terrible pour la momie. Il n'y a plus d'artefacts actifs. On y est proche de ce final, on y est proche. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Momie? Pas content, monsieur Momie? Non, c'est pas ça. Je descends. Alors, il va falloir sortir de la maudite bibliothèque. Et c'est pas une mince affaire, croyez-moi. Parce que c'est des dalles de fou. C'est des dalles qui rend fou. Encore que... Oh, oserais-je la prétention, oui, de dire que je suis bien frais ce matin et que j'ai réussi du premier coup. Oh, toi, je vais te tuer une énième fois pour plaisir. Je suis à la fête. C'est horrible. Youpi. Alors, bah oui, ça faisait partie de la bibliothèque, donc faut que je me barre. En plus, je fais ça avec ma dalle graphique de téléviseur qui est au minimum en mode économique. Donc les contrastes, je les vois mal. J'ai un truc vachement sombre. Il faudra peut-être que je remédie au pépin. Oh, quelle est chiante cette momie. Elle est chiante. Mais va mourir. Ça va pas tarder ta vraie mort. T'auras plus assez de puissance pour te réincarner. Alors. Je réussis à sortir du premier coup de la bibliothèque. Mais je vais peut-être pas réussir à sortir du. du premier dédale. Ah bah merde. Non, c'est bon. Ah, 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 ils sont dans les Moïse. Je monte un étage. J'allais mourir. Oui, j'allais mourir, barrez-vous. La chambre d'incantation, elle est où? Où j'allais. Je vais fumer. Ah! Non, on va mourir. Oui! J'ai tous les vases en plus. Je ne subirai pas la malédiction. La malédiction égyptienne. La di da di da. Adieu! Ah, ah, ah. My soul is whole once again. Attends, je sauvegarde. C'est la toute fin. My murder avenged. With the powers granted to me by Isis, I have become immortal. I no longer need the water clock to keep this island in thrall. Matinicus is mine once more. Ya promenus caiutus. My soul will ever dwell here again. And now for your reward. You shall have the honor of staying with us on this island forever. Comme si je veux rester sur l'île de maudite pour l'éternité. Elle se marre. Laisse-moi t'allumer, vilaine. Ah, c'est cadeau, sauf à pas la maison. Attends, vois, c'est elle qui génère les crânes. La mourir. Mais j'ai gagné!
final. Je quitte l'île maudite. Hargrove was right all along. The water clock and its power were very real. Just as real as Tess's greed and treachery. The archaeological society will be fascinated if I can produce some proof of the clock's existence. I'll return to the island tomorrow with the right equipment so that I can gather the clock's ashes and properly catalog any remnants I can find. With proof, the society will certainly fund me to fully investigate the Conway estate. Maybe they'll even spring for a new watch. Sourire. Voilà. Eh ben franchement, ce jeu, moi je trouve qu'il a... Il est très original. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de casser la routine habituelle du FPS, du First Person Shooters, où entre guillemets tu flingues bêtement, je dirais méchamment. Tu fais un carnage. Et ils ont aussi d'apporter un gros plus littéraire ou avec le coup de la famille. Alors c'est vrai que ils trichent. C'était plus en vogue à l'époque d'avoir, quand vous achetiez un jeu, un manuel papier. Et il faut lire le manuel pour s'imprégner en fait de l'ambiance dans le manoir au niveau de la famille. Que un tel essaye de draguer l'autre. Ce que je vais expliquer un peu, saga Feu de l'amour. C'est-à-dire qu'on apprend qu'un tel a divorcé de l'autre, que l'autre, un tel s'aime pas, l'autre son romance, etc. Et puis qu'ils ont chacun leur petit caractère. Le plus marrant, je reconnais que c'est le majordome. Le majordome, c'est le perso qu'ils ont le plus travaillé. La musique, en plus, elle est extra. Hein. Je vous rappelle que ça fait un album de 20 pistes que j'ai mis sur mon baladeur. Rien que le générique qu'on entend là de fin est dans le lot. Et c'est sympa, écoutez. C'est de la musique de qualité, hein. Oui, tu seras jamais libre, hein, ouais. La malédiction. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc ils essaient de casser la routine de zigouiller carnage là au premier plan. En plus du côté littéraire et de la bonne musique, il y a l'idée d'énigme. Alors, énigme. Énigme, on va dire, d'un. Très primaire, parce que c'est un jeu d'interrupteur à déclencher, il faut courir après les vases, les 10 vases, pour avoir la bonne fin, là, celle qu'on vient de voir. Et puis finir le jeu, quoi, proprement. Et non, franchement, original, quoi, moi j'aime bien. En plus, ces décors sont magnifiques. On peut dire que les ennemis sont originaux, il y a de l'imagination. Non, franchement, moi, le jeu, il va me marquer. Je comprends même pas que j'en ai pas entendu davantage avant. Parce que chronologiquement, dans l'histoire des jeux vidéo, il y a Doom qui était sorti au même moment. Donc Doom avait remporté la mise totale, comme vous le savez. Mais franchement, bien, quoi. J'en arrive à regretter qu'il n'ait pas eu plus de notoriété le Killing Time. Bon, comme vous me l'aviez expliqué, il était sorti avec les studios 3DO, donc la console qu'elle est avec, et la console était nulle. C'était un prototype raté, la 3DO. C'est dommage, parce que le jeu, lui, franchement, moi, je trouve qu'il est de qualité. Voilà. Wally Wallou. Ah là 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 là. Et ben voilà. Attendez. Voilà, je vous remets ma tronche en gros plan. Alors, il y a plusieurs trucs qui vont pas. Déjà, j'ai pas lancé Winamp, donc ça casse ma compo graphique. Et pourquoi on voit pas mon horloge? Ah, parce que je l'ai pas mise au premier plan. Attends, il y a un bug. Je recommence. Voilà. Là, c'est mieux. Du coup. Ah, bonjour, Olive. Bonjour, Olive. J'espère que tu vas bien.
Oh mon Dieu, j'ai même pas vu ton arrivée, pardon. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Tac, clac, 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 clac. Bon bah voilà, je peux me vanter d'avoir fini un jeu, d'entrée de jeu, ce samedi matin. C'est cool. Alors moi, par contre, là, je vais continuer sur un autre FPS, ce qui est mon Corridor 7 chéri adoré que j'adore là, le coup de la chasse aux extraterrestres. Je sais pas si je peux prétendre dire qu'on va le finir ce matin. Parce que je crois qu'il reste 7 niveaux à faire dans le monde extraterrestre et le défi est relevé dans le sens que c'est pas de la tarte. C'est dur. C'est dur, c'est dur. En tout cas, merci à toutes et tous d'être là. Tac, tac, tac. En plus, il y a un beau soleil sur Nancy. Je sais pas si vous avez la chance d'avoir une belle météo. Mais je me suis laissé agréablement surprendre par le. Au crépuscule. Non, c'est le contraire. À l'aurore. Par la percée du soleil. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va m'entendre en double, ça le fait pas. Interface Twitch. Blablabla. Je veux déclarer Corridor 7 dans les jeux-jeux. Pouk. Voilà. Voilà. Alors. Une fois ça fait, qu'est-ce qu'il me fait? Oups. Oups. On va pas que je fasse planter l'ordi, moi. Alors, attendez. Il y avait capture d'écran. C'était ça, je crois, mais sur l'autre écran. Ce qui fait que je pouvais capter. Non, c'est pas la bonne icône. Quoique je peux le lancer comme ça, apparemment. Attendez voir. Ah, si, ça se lance. Oui, d'accord, mais j'aimerais l'avoir en. Voilà. Normalement, j'ai fait quelque chose de correct. Ouais, c'est cool comme ça. Je crois que vous l'avez bien, non? Ouais, ça m'a l'air bien fait. Ah. Alors attendez. Tac 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 tac. Je suis un idiot, mais à chaque fois je me plante d'options. Quand je veux charger ma partie, je confonds Retrieve Mission avec Resume Current Mission. J'en étais à 4 EXT normalement. J'étais au niveau 33, je crois. 33 sur 40 normalement. C'est ça. Et j'étais dans la mouise puisque j'étais quasiment à poil avec 11 points de vie. Donc je suis dans la mouise. Ça craint du boudin. Non, ça c'est pour faire disparaître le score. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Malheur à moi! Non! Je reprends mes repères. Hein. Ah, j'ai la touche pour ouvrir les. Mais j'ai pas la touche pour avancer. Bon, tant pis, je le fais au clavier, c'est pas la fin du monde. Mais c'est moi où il n'y a pas de musique dans ces derniers niveaux? Ah non, j'avais fait le ménage ici. Normalement, il y a de la zik, non? Attendez. Je suis dans le doute. Ajuste audio. Bah oui. Ils ont pas mis de musique sur la fin. Bah, c'est dommage. Parce que la musique au début, elle est excellente. Je serais tenté de vous mettre mes œufs tout doucement en arrière-plan, là, histoire de poser une ambiance. Mince, décidément, je fais n'importe quoi. Je sais pas, je vais mettre ça. Pas que ce soit trop fort non plus, mais. Voilà! Comme ça, on a un confort, on a la totale. Bon,
comment je vais faire pour m'en tirer, moi, dans cet assaut chez les extraterrestres? C'est qu'ils sont en train de me trucider, les vilains. Oui, l'armure, je peux la mettre, parce que ce sera pas un gâchis. Je vais bien exploiter les 200 points d'armure. Oh là 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 là, ce monde alien vilain. Oui, il y a des trucs, c'est trop bizarre. C'est bizarre. Oui, c'est même pas dessiné dans la carte, c'est quoi ce délire? Oh oh, il y a du peuple. Non, ils m'ont eu. Je me pose la question si je vais pas redémarrer le niveau. Mais en gérant strictement beaucoup mieux ma santé. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Donc je fais auto-saved à niveau 33. Donc j'ai le comité d'accueil avec l'autre grande nunuche là. J'avais pas apprécié de me faire cueillir d'entrée de jeu. Mais bon, voilà. Ça, on veut dire que c'est le monde alien. Il y a lui. Hop là. Là après je pense que je peux revenir au flingue classique. Ah merde, c'est un... Oh, ils sont chiants. Les démons de l'infrarouge là. Non mais lui, voilà, j'allais dire il m'a littéralement liquidé. Ah aïe 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 aïe. Il faut que j'arrive à me convaincre que je peux pas tout faire au mini flingue. En essayant d'économiser mes munitions. Alors, je rappelle que je joue dans le mode de difficulté le plus facile. Je vous laisse deviner la difficulté relevée quand vous jouez en balèze. Oh cool! Tous les deux ils me donnent de la pile d'énergie. Oh alors là par contre faut que je regarde. Ah c'est génial là. Ouais je vais faire dans le 5 XT extérieur. Même avec 1% c'est pas grave, on s'en moque. Ça c'est un bon coup de bol parce que le fait d'avoir la pile de recharge elle est aléatoire. Et là de l'avoir eu gratos, enfin gratos par deux fois, c'est cool. C'est cool. Alors, allez, je suis en forme, on y croit. Attendez, pardon, je vais vous lire, j'ai vu qu'il se passait un truc. Bonjour Twinsen. J'ai bien vu mon chat bouger. Je vais peut-être nettoyer les couloirs avant de nettoyer les salles. Merde. Je lisais ma carte et pas le vrai monde. J'ai pas fait le côté opposé. Il faut que je fasse gaffe de pas me laisser surprendre. Mais il n'y a personne, visiblement. Ah, ce monde extraterrestre. Terrible. Oula. Oh! C'est nouveau ce truc! Je connaissais pas cet extraterrestre rampant. Ah! La bonne blague! Je suis en train de voir que j'ai mon habillage de chaîne qui masque la carte. Ça la fout mal. Ça la fout mal, il faut que je change de plan. Minute papillon. Attendez, voir. Il faut que je mette celui-là en fait. Et. Voilà, là c'est mieux. Par contre, il faut que je recadre mon truc. Presque. Oui. Non. Attends. Voilà. Ouais, c'est mieux. C'est déjà beaucoup plus pro. Wouh!
Alors, ce que je comprends pas, j'ai essayé de modifier la police de caractère au niveau du chat là sur fond bleu dans le retour vidéo. Et normalement, ça aurait dû changer et ça a pas changé. J'ai pas compris pourquoi. Je voulais avoir une police de caractère plus grasse, plus nette à lire. Et l'interface a pas pris en compte mon souhait. Donc, je suis un peu attristé. Voilà, c'est vicieux ça. C'est que ça. Alors. Hop. Très bizarre. Il reste 21 aliens dans le monde là. C'est vraiment très bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais. Ah c'est ça, c'est bien, je suis trompé. La touche pour pousser les murs, que j'entends le gémissement du héros là. Heureusement qu'il y a le son parce que. Wow. D'accord, je me fais cueillir en étau. Ah bah tiens, c'est le portail de sortie de niveau. Oh la vache. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais je peux pas passer au travers. J'essaie de passer au travers, je meurs. Bah oui, je meurs, ça fait mal. C'est bizarre. Waouh, les mystères du monde extraterrestre. Je découvre totalement. Je rappelle que ado, j'ai connu la version disquette. Donc il n'y a que les 30 premiers niveaux sur Terre, dans la base américaine. Et là. Et là, comme j'ai racheté la version CD, de facto, je découvre les niveaux dans le monde extraterrestre, une fois qu'on a franchi le dit portail. Au travers. Ah non, je peux pas, ça fait mal. Merde. Attends, il y a un truc qui me fait mal. Je sais pas ce que c'est. Oh là là. Waouh. Alors là, il y a des mécaniques de jeu. Faut que j'apprenne là. Ça. J'ai l'impression d'être tué gratuitement, j'ai envie de dire. L'environnement est très hostile. Parce que je ne peux même pas expliquer qu'est-ce qui me tue. Po. Alors attendez, je me fasse pas avoir. Bon, là je suis plutôt content de ce que j'ai fait, je sauvegarde, histoire que je me recoltine pas à chaque fois. Alors, la question est comment je fais pour atteindre cet endroit? Là, on pourrait croire qu'il y a un passage secret. Dans le dessin de la carte, en fait, si on regarde en haut, à droite. Attendez, voir, qu'est-ce que c'est? J'avais oublié qu'il y avait du monde, là. Ok. Ouais, mais là, il n'y a rien. Ah! Si, il y a quelque chose. Ah,
y a quelque chose. Oh oui. Oh vache. J'ai l'impression que je lui mets des baffes quand il fout la tête sur le côté. Ah. Oh oui. Merveilleux. Dakodak. Alors, là je me sens mieux parce que l'espèce de spray noir avec la petite croix rouge dessus qui était au sol que j'ai ramassé est appelé Adrenaline Boost. En fait, ça donne 300% de vie. Ce qui fait que là, je viens de me refaire une santé, on peut le dire littéralement. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. À l'opposé, j'avais la carte du niveau qui me tendait les bras, si je puis m'exprimer ainsi. Ce qui voudrait dire que à l'opposé, à un moment donné, il y a moyen de pousser un mur. Ah. Non ? Ah, j'ai cru. Si, ah si. J'ai bien poussé un truc. Encore Adrenaline Boost ? Ah mais c'est merveilleux. Je cumule la santé, là. Je suis à 600 points de santé. Et il reste qu'un sexe extraterrestre à zigouiller. Ah mais c'est le bonheur. De l'intérêt de prendre le temps de chercher les passages secrets. Surtout lorsqu'on est à l'agonie. Oh la vache. Oh la vache, oui. Tu m'étonnes, j'ai pas le bon flingue. Ah bah je l'ai eu quand même. Oh oui. Oh la réserve. Oh, je le connais pas ce flingue. Ça fait quoi? Wow, ça débite 10 points de d'énergie par tir. Ça fait très mal. Le canon d'assaut alien. La violence. Oh, génial. J'avais pas ça, moi, dans ma version disquette. Oh, c'est trop bien. J'ai l'impression de jouer à une extension du jeu, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais débusquer des petits derniers avec joie. Pa, 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 pa. La, 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 la. Wouah, j'aime bien l'animation du flingue. Stylé. Alors. Ah 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 ah. Il y en a un qui vient de par là-bas. Hé hé, ça bouge. Ça y est, on s'est réveillé. Bon, je loupe rien. Ah si, je loupe de la santé. Génial. Oh là là, c'est pas souvent que j'ai 800 points de vie et quelques. Alors, ce qui est moche dans la logique du jeu, c'est que cet avantage de santé, je vais le perdre quand je vais prendre le portail, en fait. Ça va me réinitialiser à 100% de vie. Et non pas 800 et quelques. Mais bon, c'est la règle du jeu. Les salopards, ils essaient de me contourner, j'adore. Ah, les futés, là. Oh, la violence du canon d'assaut. D'ailleurs, il faut que j'arrête de tirer avec parce que... Oui, d'ailleurs, c'est peut-être un peu idiot ce que je viens de faire. Je ferais peut-être bien de changer d'arme. Parce que je vais peut-être en avoir besoin dans le niveau suivant. C'est pas tout de faire mumuse avec le nouveau joujou, mais... Il faut essayer d'observer une certaine stratégie. Ah, les petits, ils sont vraiment fragiles. C'est horrible comme je les explose. Ouais, ça dépend des pièces. Certaines donnent du matos, pas d'autres. J'ai bien aimé le petit dernier, la tout flasque. Ça, c'était un ennemi que je connaissais pas encore. Ah! Où sont planqués les deux derniers? Ils sont dans une pièce bizarroïde apparemment. Ah, ce serait là? Ah oui, c'est là. Par contre, je suis proche. Donc quasi tête à tête. Ok.
Floor secured. C'est bon. Ah, une sphère d'invulnérabilité. Génial, il n'y a plus personne, ça me servira à Kepwick. Par contre... Ah oui, j'avais dit que le portail... Ah oui, voilà, il faut que je me recoltine tout le... Dédale alien. Le portail pour le... Oserais-je dire le sous-sol suivant. Il est à l'autre bout. Waouh. Vas-y pour te repérer. Pa, 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 pa. Ah. Oh mon dieu. Voilà. Alors, je sauvegarde là, on sait jamais. Si je veux revenir en arrière. Mais non, j'avais bien tout pris. Pa, pa, pa. Voilà. 100% au niveau des stats. Nettoyage parfait. J'ai mis une raclée aux extraterrestres. Que demande le peuple? Oh! Waouh, qu'est-ce que c'est que ce décor? Je la connais pas, cette texture. Oh mon dieu! Ah, les voilà déjà. Oh, ils sont pas si... Oh merde! Putain, il est venu, il s'est vautré sur moi, celui-là. Je l'ai pas vu venir. Il y en a encore un là. Oh la vache, ils sont plus d'une vingtaine. Hein. Wouh! Ah, je vois un truc bouger. C'est quoi? Ah, c'est ceux qui transforment l'oxygène là avec leur bonbonne jaune. Alors pourquoi je dis qu'ils transforment l'air, l'oxygène avec leur bonbonne jaune? J'ai mis la main cette semaine sur un autre document PDF concernant le jeu, bah dans le répertoire du jeu. Et j'ai la description et la fonction des ennemis en plus. Donc j'ai découvert leur nom en fait. Ils ont chacun un nom pour l'espèce extraterrestre qu'ils représentent. Et, alors j'ai pas retenu, hein, je pourrais pas vous les dire. Mais vachement bien imaginé quoi, c'est trop bien. Waouh, la texture elle est vraiment originale. Oh, je suis poursuivi. J'essaie de pas trop m'exploser. Oh merde! Ouh! Il y a du peuple, la vache. J'aimerais bien qu'il me donne une pile, lui, par contre. Oui! Je suis exaucé. Merde, qui c'est qui me sauce? Il y a un truc qui m'attaque, mais je sais pas ce que c'est. Oh merde! Ok. Je voyais ma vie descendre, mais je comprenais pas pourquoi. Eh ben, il faut qu'il y ait des démons dans l'infrarouge qui apparaissent par la magie du démon, forcément. Ça ne peut être que ça. Alors, attendez, il faut que je recule, du coup, là. Comment j'ai sauvegardé? Parce que je suis pas en bonne posture. Attention, il faut que je me barre, que je change de flingue et que je revienne. Ah, misère. Là, j'ai déjà plus que 22 points de vie, là. Oh là là. Bon, tu me diras, ils sont sous la vingtaine, maintenant. Bon, je vais essayer de faire le grand tour du niveau. Stratégiquement, ça me semble pertinent. Mmh. Oula, oui, j'allais dire, je vais avoir de la visite, là. Hop. Oui, et puis il y a plein de téléporteurs. Ok, ça craint. Il faut pas que je sois pressé. Il faut vraiment que pas à pas, j'aille les cueillir. Sinon, je suis foutu. Oui, allez, je peux jouer un peu du canon énergie. Pour peu qu'il me donne en plus de la... des munitions. Bon, non, mais bon.
Les téléporteurs, je les ferai en dernier. D'ailleurs, si je peux même éviter d'en faire usage, ça peut être une bonne chose. Je sauvegarde car je progresse. What? Non, c'est une blague. Ils sont délibérément dans un truc emmuré. Non mais vous êtes sérieux les gens? Non. Merde. Je sais plus quelle est la touche du coup pour bouger les murs. Alors, pardon si ça vous êtes épileptique ou que ça vous pique les yeux d'avoir ce signal vidéo de fou furieux, mais je suis obligé de tâter des murs là. Ah non, c'est en fait ça se pousse pas, il faut faire usage d'un téléporteur. Oh les salopards, je viens de comprendre. Dans la mécanique de jeu. Oh. Bon, il reste 15 vilains. Il reste 15 vilains. Mais je suis pas sur une planète extraterrestre, là, c'est pas possible. Je suis dans un vaisseau extraterrestre, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Wow. Alors, si je vais au centre... Ah, une recharge de canon. Cool. C'est apprécié, il y a du peuple là. Wow. Merci le radar. Et là, il y en a un autre là. Donc, ça va, c'est un prout-prout. Oh, c'est... Oh, une arme que j'aime bien. Que j'ai déjà. Mon canon triangulaire là. Oh, oui. Excellent les recharges de flingues. Je sauvegarde. Je suis en train de me fourvoyer dans le dédale extraterrestre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, la carte! Et encore de l'armure. Ouais, je me sens mieux quand j'ai toute la carte, punaise. Alors attendez, il y a peut-être quelque chose en bonus dans le bras là. Du niveau. Non, là je peux aller me faire voir. Bon. Mais attendez. Pourquoi je les ai pas zigouillés eux? Parce que j'ai du caca dans les yeux. Voilà pourquoi. Merde, je suis pas allé au bon endroit. Non, mais ils sont emmurés. Ah, ça veut dire que c'est encore un jeu de téléporteur. Oh, c'est nul. Bon, alors attendez, je me barre de là. Attends, mais il y a un passage que j'ai pas pris là. C'est quoi ce délire? Et puis il y a le côté sadique d'avoir toujours la même texture. Wow, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de porte. Attends, j'ai eu un bug là. Ah oui, un bug d'application texture. Bah alors, que signifie? La seule fois où j'ai vu une porte en iris comme ça, c'est, souvenez-vous, au tout premier niveau, qu'on trouve le premier passage secret, qu'on se retourne dès qu'on commence le jeu. Ah bah tiens, c'est pour se barrer dans le niveau suivant. Sauf que moi, je veux zigouiller tout le monde d'avant. Alors, je retiens que la sortie est là. Merde. Ah, je tiens absolument à mettre une correction aux extraterrestres. Les déculottés, je veux tous les zigouiller. C'est là que ça doit jouer, je pense. Alors, sachant que j'ai plus que 21 points de vie, je sens que ça va être chaud. Merdoum.
Merde. Ah, oh, c'est chiant. Oh, oh, toi-même. Bon. T'en fais deux en moins. Allez, hop. Oh, c'est téléporteur aliens qui rend fou. Bon, c'est bien, j'ai pas perdu de vie. Ah, bah là, lui, il m'a trucidé. Wouh! J'ai bien fait de sauvegarder juste avant. T'avais mon score qui devient stratosphérique. Alors, la version disquette, quand je m'arrêtais devant le portail et que je ne pouvais que détruire et pas rentrer dedans dans le monde extraterrestre, à l'époque, j'étais content, j'estimais que j'avais bien fini le jeu quand j'avais atteint symboliquement le million de points. Et là, vous voyez que mon score est fou furieux. J'en suis à 1 million 3. Un score qui, à mon humble avis, on peut pas atteindre en... Oh la vache. Qu'on peut pas atteindre en... En version disquette, en fait. Mais je suis pas sûr que le niveau de difficulté soit... Soit une variable pour le score. Honnêtement, je sais pas. Oh la vache. Il faudrait que je me précipite sur la... Non, j'ai pas le temps. Il m'a trucidé. Il faudrait que je me précipite sur la... J'allais dire la verrine. L'adrénaline, là, vous avez vu au sol? Le spray qui redonne du soin. Pour pouvoir lui faire face. Mais c'est... Dur. C'est dur, dur, dur. Oh la vache, le salopard! Comment qu'il m'a cueilli? C'est dommage qu'on doive se retaper le... A l'époque, ils auraient dû penser à proposer tout de suite dès qu'il y a mort. Voulez-vous recharger la précédente sauvegarde? Et là, se retourner recoltiner dans le menu, c'est d'un chiant. Voilà, comme ça. Ouh. Voilà, là je l'ai bien joué. Oh, puis je peux me... Je m'en mets plein les fouilles, c'est pour recharger les... Même la lunette, trop bien. La lunette infrarouge. Ah non, mais elle est magique, cette pièce. Ah ouais, je fais plein de munitions, et oh. Hyper important. Oh là là, je me refais une santé. Alors que les employés du centre... top secret américain sont fait exploser par les aliens. L'assaut a dû être violent. Bon, bah c'est cool. Là, je peux sauvegarder fièrement. Oh, un nouveau décor. Waouh, pas mal. Attention, il y a du peuple par ici. Ah, c'est ceux qui sont en charge de la transformation de l'oxygène. Enfin, de l'air. Je sais pas si on peut parler d'air dans le... Ouais, ils sont morts. Ah oui, des mines! J'en avais plus des mines. J'en avais fait usage à Donf, souvenez-vous, contre la succession de boss avant d'atteindre le portail. Oh, trop cool. Oh là là. Je me refais une santé. C'est bon. Oh, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Attendez. J'étais venu par téléporteur, voilà. Je me disais aussi. Comment je sors de ce bazar? Donc attendez, je suis là. Il faut que je reprenne la route pour le portail de sortie de niveau. C'était pas là, c'était là. Pardon, c'était en face. Oui. Armure. Non, je suis au taquet dans l'armure. On est d'accord. Hein. Je suis à 999. Non, je suis complètement refait là. Magnifique, on découvre le niveau suivant, le 35. Yes, 35 sur 40. Ah, j'ai trouvé aucun passage secret. Dommage. Dommage, dommage. Alors. Waouh, dans quoi je mets les pieds? Ah ouais, le fusil à pompe. Ah, je vais me faire un plaisir de les défroyer au pépon. Ah, il y a encore des munitions. Je dis oui. Ça ne se refuse pas.
Ça ne se... Oups. Tiens. Fusil à pépon américain. T'as le bonjour du Kentucky. Oh là là. Ouah, ils sont plus de 40. J'avais pas regardé le compteur d'ennemis. C'est la guerre. C'est la guerre. Oh yeah. Qu'est-ce que c'est que... Oh mon dieu. Salopard. Enfin, faut être prêt. Vaut mieux être à bout portant avec un fusil à pompe. Ah oui, j'ai gagné de la batterie. Je savais pas qu'ils en donnaient de manière aléatoire. Ça m'arrange bien, tu m'étonnes. Tu m'étonnes et ça détonne. Et là, il n'y a personne. Waouh, ces décors de fou. Il n'y a pas un truc à déclencher là, non? Pour être une zone à passage secret là. Waouh, il y a tellement de. Il y a tellement de surface exploitable. Il m'a fait peur ce con, je dis tiens, pourquoi je suis embuté. Ah, il m'a eu. Non, mais là, ce que j'ai fait, c'est de l'amateurisme, en fait, c'est pas bien. Il avait l'avantage. En plus, j'ai retrouvé la lunette, j'aurais pu le regarder dans les infrarouges pour le voir tout le temps. Bien fait pour ma tronche. Oh là là. Peut-être que comme ça, ouais, c'est mieux. Ah, le bon vieux pistolet mitrailleur. Ça m'avait mangué. Là, il y avait du peuple, je m'en souviens. Ouais, je suis peut-être mieux au fusil à pépon, en fait. Parce que là, j'ai l'impression de gâcher mes balles. Oh là là, surtout que là, je récupère de la munition, en fait. Oh, ces niveaux... Ces niveaux qui rendent fou. Alors, là où je m'étais fait avoir avec l'autre, fallait que je regarde dans les infrarouges, je crois. Voilà. Ouais, mais il m'a fait super mal, là. Je serais presque tenté de recommencer, parce que là, il m'a bouffé en un coup la moitié de ma vie. Il m'a foutu une correction. Évidemment, ça m'arrange pas. Ça aussi, c'est un décor que je connais pas. Trop bizarre. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Hop, 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 hop. Attendez, j'ai du monde qui bouge là. C'est la fête à GG là. C'est encore une trentaine, je suis en train de perdre toutes mes balles. Rassure-moi, il n'y a pas de démon. Ouais. Peut-être changer de flingue. Mais là, je suis dans la mouise au niveau santé. Là, j'ai 6 points de vie. Oh là là. J'ose pas sauvegarder parce que j'ai peur de me mettre dans le mal en fait. J'ai pas super bien joué, hein, on va pas se voiler la face. Oh là là. Non. Merdoum. Si je prends le téléporteur, je vais me faire cueillir. Ah oui, forcément. Ah, adrénaline. Ah bah.
ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Du coup... Oh là là, c'est vicieux, c'est un jeu de téléporteur. Oh là. Alors lui il est mort, tu sais même pas pourquoi. Oui, je veux bien la sphère d'invulnérabilité là. Parce que tant que je peux en déployer sans me faire toucher, ce serait bien. Très bon usage de la sphère d'invulnérabilité. Il y avait du peuple. Par où je dois passer moi du coup? Je suis déjà passé par là, il n'y a pas de téléporteur en face. Ah oui. Faut que j'aille en face. Lui il était au coin, il boudait. Ah! Donc ta suite est par là. Quoi? On dirait presque un mur, une haie végétale. Dans un monde extraterrestre, ça fait trop bizarre. Oui, je veux bien l'immortalité. Aussi temporelle soit-elle. Attends, c'est où ça? Oula! C'est la fin du niveau et c'est la fête. Cool, très bien joué. Donc je peux me jamais barrer, mais il reste 6 extraterrestres. Et je vous rappelle que je tiens absolument à leur mettre une correction totale. Et tous les trucider sans exception. J'assume totalement mon génocide aliénique. Ok, donc là je suis coincé, il n'y a rien d'autre. Ce qui veut dire qu'il y a un portail que j'ai pas pris. Mais je sais plus lequel. Non, là je suis revenu au début. C'était pas celui-là? Ah non. Ah, les portails qui rendent fou. Là j'ai fait quoi là? Mais non, c'est pas le portail du début. C'est quoi cette merde? Mais non! Ah! Oula! Oh non, j'ai les voisins qui jouent de la perceuse. Alors je suis navré si vous avez un retour de bruit de perceuse, mais bon. Les voisins qui sont en mode bricolage. J'entends mes murs vibrer, je suis deg. Oh là là. Heureusement que je fais pas un jeu d'horreur parce que ce jardinerie me ferait flipper. Bon, je vais trouver mon chemin, on y croit. Je vais trouver le bon téléporteur. Je vais essayer de mémoriser lesquels je prends. Oh non, il joue du marteau en plus. Bon. Crotum, merdum, chiotum. Alors, si c'est pas celui-là, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Ça y est, ils sont tous morts. Bon, au moins j'ai la paix. Alors, maintenant revenir au début. Ah bah je ne sais pas là, tiens. Non, je ne sais plus. Ah si! Si, j'ai réussi du premier coup, ouais, génial. Génial. Et la sortie, elle était où? Je sais même plus. Mais non, elle était dans le jeu des téléporteurs, la sortie, non? Non, puis, hey, je suis sûr qu'il y a un mur à faire coulisser, il y a un truc là. Ah, attendez. Ah oui. Donc je vous rappelle déjà que 1, la touche pour pousser les murs, c'est celle-ci. Voilà. Attends, je tente ma chance parce que les murs sont énormes là. Enfin, je veux dire, il y a tout un espace de la carte qui est pas, qui semble pas être exploré. Merdoum.
peux pas fermer les yeux là-dessus. Hein. Y a rien, y a pas de, y a rien qui a coulissé. Oh merde. Rien. Oh, ah non, j'avais cru entendre un bruit de mur qui bouge, mais non. Mais non, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui m'a échappé. C'est peut-être dans la diagonale qu'il y a un mur qui bouge, non? Oh, je suis deg. Il y a forcément un truc, non? Mais quelle est cette diablerie, pourrait-on dire? Bon, tant pis, j'abandonne. Je renonce, c'est moche, hein, mais bon. Alors, où était le téléporteur de sortie de niveau? Où est-ce que je l'avais vu, celui-là? C'était dans les trucs de téléportation, en fait. Mais où était-ce? C'était pas là. Non, là je suis ressorti. Non. Non. Alors attendez. Là. Non plus. Bonjour Zex de Citron, j'espère que tu vas bien. Je suis à fond dans mon jeu de mon adolescence, là, la traque aux extraterrestres. Je suis à la fin, je suis dans le 35e niveau sur les 40. Et je découvre parce qu'en fait la version disquette s'arrêtait au 30e niveau. Et là, comme j'ai racheté la version CD, c'est une découverte totale avec un grand bonheur. C'est un sacré dédale. Merde, je trouve pas le téléporteur de fin de niveau, il est où? Ah, je prends pas les bons téléporteurs, j'ai pas les rayons. Était-ce là? Non, c'était pas là. Donc, mais non, celui-là j'ai déjà pris avec les gneugneux. Mais merde. Cette malédiction, j'ai déjà pris avec les gneugneux. Bah oui, c'est la sortie. Pourtant, j'ai un moment, j'ai bien vu le téléporteur de... Ah, attendez voir. Il y a une subtilité dans la carte. Il y a une subtilité qui fait qu'à un moment, il y a un double losange, mais c'est pas celui-là. Non. Là où il y a le trou vert, non plus. Mais si je vais là, je sors. Donc ça va pas. Faut que je rentre dans le truc. Non, c'est pas là où il y a le mec mort qu'il y a. Bah c'est où qu'il y a le. Non mais je deviens débile quoi là. Bah là j'avais fini plusieurs fois en fait la version disquette quand j'étais plus jeune. À 30 niveaux et en fait j'avais mon copain, mon ami de l'époque, Virgile, je croyais qu'il se payait de ma tête quand il me disait mais si tu peux rentrer dans la sphère dans le 30e niveau et t'es arrivé dans le monde extraterrestre et le jeu continue, et je croyais qu'il me racontait des cracks que mon copain devenait mythomane quoi. Je dis mais il se paye de ma tête hein. Et j'ai découvert récemment en retrouvant le jeu avec joie sur Steam qu'il y avait deux versions, chose que j'ignorais il n'y a pas si longtemps que ça.
Et évidemment, tu penses bien que je suis précipité sur la version CD, puisque je connaissais que la version disquette, la version du pauvre, j'ai envie de dire. Donc là, comme tu peux le voir, je suis au niveau 35 dans l'interface du jeu. Il n'y a plus d'ennemis, je les ai tous zigouillés, là je cherche la sortie. Et bah je découvre totalement, puisque je m'étais arrêté au niveau 30 et que à la base, dans la version disquette, tu ne peux que détruire le portail. Tu peux pas rentrer dedans pour voir la suite. Donc si tu veux, je connais la fin tronquée, la fin du jeu tronquée. Là je découvre totalement, je suis en joie là, je suis excité là. C'est génial. J'ai l'impression d'avoir 13 ans là. Bon, je suis nul. Comment j'ai fait avec ce jeu de téléporteur à la... Pardon si je vous fais flipper au niveau des yeux. Attendez, je suis où là? Comment j'ai fait pour aller dans les autres? Ah, cette diablerie. Mais là, il n'y a pas d'autre téléporteur. Je peux pas. Comment j'ai fait mon affaire, moi? Ah, là, il y a plusieurs téléporteurs. Alors. Là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. En face avec les tonneaux de mort. C'est pas celui-là. Celui avec les trucs. Non, c'est pas celui-là. Donc, c'est forcément celui avec les machines vertes. Non plus. Attendez. Ah merde! Comment je fais? Bah, je comprends plus. Ne me dis pas que parmi les téléporteurs, il y a un mur à pousser. Salopard. Oui, là, c'est la version CD, Zex de Citron. C'est la version complète, si tu veux. Ça, par exemple, cette texture de mur, je la connaissais pas. Pour moi, c'est nouveau. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les créateurs du jeu, là? Ils ont généré une torture mentale là. Oh, puis c'est chiant d'entendre les voisins faire leur bricolage. Pardon, hein, mais ça me stresse. D'entendre des coups de marteau et de perceuse. Attendez, là je suis proche du... Ah bah c'est là! Et c'est là normalement qu'il y a le... Voilà! La suite! Oui, c'est ça, Zex de Citron. Ouais, ça aurait pu. On y achetait peu, mais ça aurait pu. Il y a 43 ennemis. Oh la vache. Ça veut dire qu'il y a... Ah non. Pourquoi j'ai eu un bobo, moi? Ah, c'est le... L'extraterrestre qui avait une dextérité de fou et de l'autre bout du couloir il a réussi à me toucher au flingue. Salopard. Ah, oh, j'adore ce flingue. Oh, la carte qui est offerte. Ah, ah ouais, je comprends pourquoi la carte elle est offerte. Waouh. Ah, je peux déjà me barrer dans l'autre niveau. Sérieux les gens? Non, je vais faire un carnage là. Je vais leur foutre une correction, mais la misère. Génocide! Génocide aliénique! Oh là là! Alors attendez, pardon, la concentration pour moi parce que. Là ça va être chaud, là ça va être Rambo là! Bon. Attends, j'ai droit à quoi là? Ah, une recharge de... Très bien. Très bien. Attendez. Il faut vraiment que je prenne le temps de bien lire la carte. Oh, ce dédale de fou furieux. Là, je suis dans l'artère principale. Ah, mais non, mais je suis condamné à prendre des téléporteurs. Ah, merde. Je suis condamné au téléporteur. Attendez, il y a un loustique que j'ai pas trucidé au fond là. Ouais. Alors, ça, les mines, non, je vais pas les prendre parce que je suis au taquet, j'en ai pas encore besoin.
Mais ça donne du réconfort de savoir que j'ai de la réserve. Là, il n'y a rien d'apparent. Téléporteur, attention, sauvegarde et on y va. Ouah, c'est quoi ce décor de fou? Encore une texture que je connais pas. Bah, oh le carnage, oui, c'est bon! Oh merde. Burk. On dirait presque de l'écorce d'un arbre centenaire. Trop bizarre. Trop bizarre. Wow. Alors la combinaison spatiale, je vais pas la prendre maintenant. Parce que j'en ai encore beaucoup. S'ils sont aussi généreux sur les armures, c'est que je vais déguster. C'est-à-dire que la suite, là, va y avoir un assaut d'extraterrestres, ça va être méchant. Ça va être méchant. Alors, attendez voir. T'es pour faire l'âge des pubs, quoi. Je suis où? Ah oui, je l'avais déjà pris. Mais il y en a peut-être un autre. Que ça m'étonnerait pas. Non? Non, ça c'est le portail de fin. Attendez. Il y a quoi là au bout? Non, là c'est une caméra alien. Il nous observe. Ah, j'y suis pas allé. Je sais même pas où je suis sur la carte. Ah si, je suis là. Oh, wow, le guet-apens. J'ai dû exciter. Ouais, tout le monde, c'était sûr. Ils vont tous me tomber dessus en même temps, ça va être un enfer. Attendez voir. Ah, j'ai de l'adrénaline de vie. Je suis totalement pour. Voilà, j'allais dire, si le jeu accepte que je prenne l'artefact. Oh merde! Un mini boss. Non! Wouh! Je m'en sors bien. Oh! Une arme inconnue! Alien désintégrateur. Attendez que je la teste. C'est quoi ce délire? Ok, c'est tellement puissant que j'ai pris toute l'énergie. Je vais revenir à une recharge précédente là. Ouh. Oh la vache. Waouh. Alors ça c'est... Je pense que c'est l'arme finale anti-boss. C'est le machin, tu balances tout en une fois. C'est le Kamehameha, la Dragon Ball O. La Dragon Ball Z, c'est... Waouh. C'est pas une arme, c'est l'arme. Oh la vache. J'ai l'impression que j'ai utilisé en un coup 500 points de batterie. Le truc, c'est thermonucléaire. Ah, il reste 15 ennemis. Je progresse vachement bien. Ah, démangeaison. Pardon. Alors attendez, je suis pas allé me faufiler dans le dédale. Est-ce qu'il y a un truc au bout? Non. Non, non, non. Pareil, ces textures de fer brossé avec de la moisissure dessus. Cette texture, on pouvait la trouver dès le début. Dans un passage secret du premier niveau. Alors attends, ça veut dire que là j'ai pas fait. Oh merde! Putain, je me fais cuire d'entrée de jeu. Il y avait des gardiens de chaque côté du téléporteur. Donc je suis au bon endroit. Je le vois, il tourne le dos, je peux pas le... Oh. J'avoue, une téléporteur. Ça aussi, le décor là, je le connais pas. Mais je suis où? J'arrive même pas à lire la carte. Oh merde, je l'ai pas vu lui.
attendez. Ah, d'accord. Oh, les polymorphes! Je les avais oubliés. Ceux qui prennent la forme d'objets communs. Qu'est-ce qu'ils font flipper dans le... Dans les premiers niveaux, eux. Merde! Pardon. Oula, c'est un garde-manger, là. Les pauvres humains qui se sont fait capturer. C'est une sphère d'invulnérabilité, mais je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'ai envie de dire non, parce que le temps que je me promène dans le dédale, j'aurais perdu l'effet invulnérabilité. Attendez, il y en a un qui se promène dans les couloirs. Je sais pas comment, il a dû prendre un téléporteur que j'ai pas encore pris. Et je l'ai pas trucidé. Il est où? Il est là. Ah bah c'est un démon... infrarouge. Alors, il reste 6 vilains à qui je dois mettre la déculottée. Mais je sais plus quel est le bon portail. Attendez, je vais peut-être revenir sur... Oups. Oh, je suis au bon endroit. C'est le bon téléporteur. C'est le bon téléporteur. C'est la guerre. Et c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Attention. Fois toi-même. Allez, voilà. Allez, il ne reste plus qu'un. Floor secure. Floor secure. Il est mort. Alors, attends. Il faut que je retrouve la route du retour. Mais il faut quand même que jette un coup d'œil si j'ai pas le droit à des cadeaux. Je peux aller me faire voir. Il n'y a pas de d'objet au sol. Ouais. J'avais vu le portail de sortie qu'il était où? Qu'il était là, je crois. Yeah. Hop. Mince. Je me suis trompé de touche. J'ai rechargé. Oh, le con. On recommence. Je suis désolé. Pas fait exprès. Oh, mais qui nunu je fais? Voilà. Je suis mauvais. Alors, je disais donc. Voilà, et là je sauvegarde. Voilà. Allez, go. Bon, zéro passage secret, je les cherche même plus. Les niveaux sont devenus complexes. Wouah! C'est très très vilain comme intro. J'ai l'impression qu'il vous force à faire usage du désintégrateur en une fois là pour tout nettoyer en un coup. Il faut absolument que je touche la sphère d'invulnérabilité. Oh les salopards! Oh, c'est impossible. L'autre il me barre la route. Wouah. Attendez, je peux peut-être faire un chargement avec ouais, directement le autosave 37. Comme j'ai atteint l'autre niveau, normalement ça va directement me foutre. Oh, mais c'est impossible.
Oh là là, ce sadisme! On a l'impression que les concepteurs n'acceptent pas le fait de... Merde, bah tiens, je me suis trompé de sauvegarde. N'acceptent pas le fait qu'on arrive à la fin. Ils veulent garder le joueur à chaud. Non, t'attendras pas la fin. Non! Oh putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse! Oh là 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 là. Il faut que je mise sur la sphère de la vulnérabilité. Concentration, je suis désolé. Je vous lirai après. Mais donc je vois que vous prenez des nouvelles mutuelles de vous. La route, il me bloque la route. Je peux pas foncer sur la sphère bonus. C'est rageant, la frustration elle est énorme. Faut que j'ai un coup de bol de combinaison gagnante où j'arrive à me faufiler entre les ennemis. Alors qu'est-ce la figure? Quand c'est pas les petits gremlins, là, c'est un gros démon de l'infrarouge qui me dit « Non, non, tu l'auras pas. » Et les voisins qui jouent de la perceuse. Alors, si vous me voyez à la webcam avec un semblant de filtre blanc, là, c'est parce que... Oui ! Parce qu'il y a un très beau soleil sur Nancy. Donc je suis éclairé à la lumière naturelle. Ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Oui, je sauvegarde. Oh, allez, on progresse. C'était quoi ce bruit? C'était des blablabla. Oh merde. Oh merde. Oh la vache. C'est la guerre. Ah, j'ai pas mis la... Merde. Ah oh, bah il m'accueille lui. J'ai pas mis la carte. Parce que j'avance à l'aveugle, j'essaie de me mettre dans un coin histoire de me souffler un peu, quoi. Et non. C'est interdit. Bon, j'accepte ça, je vais sauvegarder. La vache, il y a du monde qui arrive. Je bouge plus. Je suis comme un lapin au fond de son terrier, là, je... Alors ? Non, je peux pas pousser, les murs sont vivants, là, ça va pas. Oh là, il y a un téléporteur en plus. Y'a rien qui se pousse, mais rien de rien. Non, y'a rien qui se pousse. Oh la vache. Je suis où là? Oula, je suis dans la mouise. Oulala, y'en a du monde. Oulala, y'a beaucoup trop de monde. Ceux qui essaient de me cueillir qui arrivent. Faut pas que je bouge trop vite. J'ai pas le droit à des... Oh la vache, c'est des viviers, les extraterrestres là, ils se sont fait des gardes-manger de tous les humains qu'ils ont capturés. C'est terrible. Oh, ce comité d'accueil.
Ça doit être interdit. Est-ce qu'il m'a donné... Oui, il m'a donné une pile. Ouais. C'est bon, ça. C'est très très bon. Lui, il m'en a pas donné. C'est pas grave. J'ai un bon ratio de... Hop. Oh, la faute du débutant. Le pire, c'est qu'il y avait une parfaite symétrie dans le dessin du niveau. Et j'aurais dû deviner qu'il y avait un démon des infrarouges dans la dernière salle. Aïe, aïe, aïe. On recommence. Faut que j'apprenne de mes erreurs. Allez, go. Ah, j'ai toujours du bol. Il me redonne une pile. Je rappelle que c'est aléatoire. Hein. Un ennemi qui donne des munitions dans le jeu, c'est purement aléatoire. Ah, lui, il me redonne une pile, ce qu'il n'avait pas fait tout à l'heure. Donc je suis tout... C'est tout bénef. Je suis tout gagnant, là. Oui, merde. Le pire, c'est que je sais. Hein. Bon, c'est pas grave, j'ai sauvegardé juste avant d'y aller. Faut que j'y aille à la lunette infrarouge parce que je pourrais pas le cueillir. J'ai encore la chance d'avoir de la lunette infrarouge. Ou alors, je ruse. Je le provoque, je pose une mine et j'attends qu'il pète. Je peux la jouer comme ça aussi. Ça peut être drôle. Hop, je mets une mine. Je tire pour le provoquer et je bam. Sauf que j'ai pas l'impression qu'ils sont en train de venir. Attendez, je change de côté. Ah ouais, je le provoque là. Et voilà, je l'ai eu. Il a giclé comme un caca. C'est bon ça. Attends, je vérifie est-ce que le mur ne coulisse pas. On veut du passage secret. On veut du passage secret. Pourquoi il n'y a pas de passage secret? Bon. La partie centrale, je l'ai faite ou pas? Mais pas du tout en fait. Ah non, je suis obligé d'être dans les téléporteurs. Ok. Alors ce que j'apprécierais, c'est d'avoir de l'adrénaline là. Parce que 16 points de vie, je vais pas aller loin. Merde, j'ai plus de munitions. Oh la vache, j'ai 4 points de vie. Je suis dans la mouise. Ok. J'ai la carte qui m'est révélée. Oh là là, c'est dégueulasse. Ils ont réussi à m'avoir. Bref, c'est le jeu. On est si proche de la fin. Ce serait bien que je termine ce matin deux jeux. Comme j'ai fini tout à l'heure Killing Time en un quart d'heure chrono. Si je finis le jeu de mon adolescence Corridor 7 ce matin en plus, waouh. Sacré week-end. Alors, attendez. Yeah. Là, je l'ai bien joué. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est très très bon comme ça là. Waouh. Ça fait trop bizarre. Comment ça se fait qu'il y ait des... C'est pas logique.
C'est du monde des humains. On est dans le monde des extraterrestres et il y a des valisettes de santé. C'est quoi ce délire? C'est pas possible. Il y a un truc que je piche pas. On dirait qu'il y a eu fusion des mondes humains et extraterrestres. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je deviens tout fou. Ah, c'est subtil, la larve au sol. Trop bien. Tu la vois pas, tu mets le pied dessus et le machin il te bouffe instantanément quoi. Trop bien. Y a pas de passage secret? Sérieux? Attendez, faut que je boive un coup. Parce que je vous fais la causette depuis 9h du matin, je crois que j'ai rien bu. Ça fait du bien, par où ça passe, comme on dit. Alors, où en étais-je? Il reste 21 ennemis dans ce 37e niveau. En fait, c'est marrant, mais j'ai choisi le téléporteur dans le bon ordre. Parce que l'autre, là, je vais arriver dans un truc de fou. Attendez, je mets la vision nocturne. Ah oui, c'est une saloperie au sol. D'accord. Oh le con, il m'a tourné le dos. Ah, je suis pas mal là, acculé dans le... Attendez, il y a du monde. Ouh, ça défouraille. Yeah. Ouais, il y a les bestioles là. L'autre, il va essayer de me cueillir, mais je vais d'abord faire ses petits copains. Oh, il m'a bien fait mal, lui. Il m'a bien fait mal et je suis à la limite de recharger ma partie parce que ma santé a pris cher. Coucou! Il a failli me buter, salopard. Ça a peut-être été le cas des prochains. Oh! Ça fait longtemps qu'on les avait pas vus. Les gros gneugneux. Ah merde, je suis mort et il reste 3 ennemis. Oh bah. J'ai eu l'audace de dire que c'est plié. Je vais vite régler le cas des extraterrestres. Là. Je vais les trucider. Là. Ils sont à l'empoint. Oserais-je dire que j'ai l'avantage? Oui, quelque part. Merde. J'ai pris le téléporteur sans vouloir. Mais... Vache. Je mange des tirs. J'avoue que je déguste. Oh merde, c'est un boss! Tu m'étonnes que je meurs? Ouah, c'est un boss! L'espèce de Hulk mauve. Là, il faut que je joue stratégiquement différemment. Parce que lui, il vaut mieux l'avoir à l'usure, à la mine. La mine au sol va m'aider, là. Parce que lui, en frontal, vous avez vu, je me fais pulvériser, quoi. Oh, merde. Ah, cette cochonnerie. Qui essaie de croquer. Plus coriace qu'on ne le croit. Alors, je me suis mis là-bas. Je vais attendre qu'ils arrivent. Putain, là, là.
faire chier du peuple. Oulala. Attendez. Là, je m'en sors bien. Alors, lui, c'est le boss. Je crois. Hein. D'accord. Ah non, c'est pas le boss. Non, non, le boss, il est ailleurs. Le boss, il est là-bas. Ah bah tiens. Mais je l'avais déjà prise la carte. Attends, il y a un bug là. Je comprends plus. Tiens, il y a un chien qui est excité. Ah non, mais là, non, mais non. Non, là, je vais me faire exploser. Ouais, non, ça va pas. La mine. La mine, mais il y a le larbin qui me dérange. Parce que si c'est le larbin qui prend la mine, gâchis. Enfin, gâchis. Pas évident. Pas évident. On avance, hein. On progresse, mais pas évident. Un boss pour protéger le portail de sortie. Attendez, je vois que vous m'avez interpellé. c'est l'homme qui prend la mer. Attends. En plus, sauf erreur de ma part, oh, il y a des champs d'énergie maléfique là. C'est dégueulasse. Allez, essayez de venir, bande de vilains, j'ai posé une mine. On entend gémir. Vous avez pas les tripes de venir. Bande de lâches. Non mais je pense que je vais la refaire là parce que... Ouais non, ils m'ont eu. Ah, c'est dégueulasse le coup des champs de force dans le... En infrarouge. Merdoum. Bon, l'ennemi lambda, je vais essayer de le zigouiller sans me faire... Allumé. Là j'ai perdu des munitions, il m'en a pardonné, donc c'est pas l'idéal non plus. Attendez. Donc, il y a les rares. Je suis obligé d'aller dedans, c'est dégueulasse. Même en tirant dedans, je peux pas les péter. Oh, c'est dégueulasse. Ma foule, action suicide, c'est dégueulasse. Ah, perdu, foutu pour foutu. Là, de toute façon, il faut que je recharge parce que je perdais trop de trucs à faire le foufou. Moi, j'aurais essayé, mais... Je suis obligé de m'endommager en allant dans le champ de force, c'est dégueulasse. C'est en fait, c'est les concepteurs de la carte qui vous obligent à être en tête à tête avec le boss. Parce que le boss, lui, il est programmé évidemment pour pas être idiot. Et c'est pour ça qu'il est pas venu sur ma mine. C'est parce que c'est pas qu'il redoutait ma mine, c'est qu'il redoutait le champ de force en fait. Il savait que lui-même allait y laisser des plumes. Donc. C'est dégueulasse. Je vais changer d'arme. Bah, on va être égalité. On va prendre chacun la même arme. Moi aussi, je tire des boules bleues. Je tire plus vite que toi. Ah non, mais il m'a buté. Il a une meilleure santé que moi, hein, salopard. C'est ça. Ouais. Parle. Ouais. Je ne te lirai pas de vive voix, Zex de Citron. Censuré. Non, mais c'est la mort. C'est la mort, là. Là, il faut que je réfléchisse. Parce que j'aurai même pas le temps de lui déposer une mine à ses pieds. Elle va me péter à la tronche. On va crever tous les deux.
si je fais cette technique. Non, la bonne arme, ce serait, voilà, l'arme là. Mais... Attendez. Ah non, mais là, il m'allume en plus. Ah bah, tu parles. Le larbin, il a pris cher. Ouais, non. Ah, c'est dur. J'ai envie de dire, c'est The Duel avant un possible combat final au 40e niveau contre un extraterrestre ultime dont je connais même pas l'aspect ou les caractéristiques. Ça va être la grosse découverte pour moi ce matin. Bon bah je reste sur l'arme là, hein, je sauvegarde, hop et on y va. Oh, même en le bourrinant, j'ai pas le temps. Ah, oh, qu'ils sont bêtes de se taper tous les menus quand tu recharges une partie. Oh là là. Pourquoi ils y ont pas pensé à l'époque? Non, là c'est le larbin en plus qui m'a allumé. Bon, je suis désolé de vous proposer une phase bis repetita bien chiante, mais je suis obligé de me la coltiner. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. C'est au bonheur la chance. Oh la vache. Si au bout de 10 essais j'y arrive pas, il faudrait que je reparte en exploration dans le niveau. Voir s'il n'y a pas un passage secret que je trouve ou un... Ouais. Je parle qu'on aime le bis repetitas. Puis là je tire à côté parce que j'étais tenté de zigouiller le larbin. Qu'il ne me fasse pas suer. Que ce soit entre nous. Mais le rêve là ce serait d'avoir une adrénaline. Avoir 300 points de vie bonus. Et là je pourrais... lui faire la peau au corps à corps, mais c'est pas le cas. Si proche du but. Ouh, puis je commence à avoir l'envie d'aller sur le trône. Je sens que d'ici peu vous allez avoir droit à un best-of, ma compil du meilleur pendant quelques minutes avant que je revienne à vous, enfin vers vous. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et puis j'ai pas de solution de repli, puisqu'il y a le champ de force à la noix. Donc si je repasse dedans, je me reprends des points d'endommagement. Donc Aïe. Est-ce que j'essaye en un tir de buter le larbin, d'aller à l'opposé de la pièce et d'essayer d'esquiver ses tirs au boss? C'est dur. C'est vraiment dur. On peut l'attaquer. Hop, le larbin, je me casse. Ah non, mais il m'a tué. J'ai pas le temps de me retourner. Ça va pas. Non, faut vraiment que je l'allume bourrin à la Rambo, quoi. Mais il faut que j'ai la chance d'être le vainqueur. Oh la merde. Et ils sont coriaces, les Hulk mauves. Là. C'est des tanks sur pattes. Il y a qu'à voir le dessin d'ennemi en plus. Hein. Merde. Ah, oh, c'est chiant de se coltiner tous les écrans. Ah bah ça crache. Bon, vous savez quoi? Je vais aller aux toilettes. Excusez-moi du peu. Je vais vous mettre la compile en attendant pour vous faire patienter. Je reviens dans 5-10 minutes. À tout de suite. Raison, Twinsel. Le test des sons, c'est comme ça que les débloqueurs. Petit évier. Y'a quelque chose dans l'évier? Oh! Oh merde! J'ai fait bugger le jeu!
Le bug de l'évier. Je suis parvenu à encastrer. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, c'est pas ça. Moi je gère le chat, hein. Chacun son truc. Hein. Oui, oui, non, mais c'est ça. T'es un chef, merci. Ah bah vous m'apprenez un truc, moi je croyais que mon lien était intemporel. Il faudra que je rechange mon lien, que je mette à jour tout ça. En fait, il y a des invitations temporelles et il y a des invitations intemporelles. Après, je verrai. Au plaisir, ce sera 100% plaisir, les copains. Merci à vous, prenez soin de vous, bon app si vous êtes à table. Oh, je vais aller chauffer ma pizza. Pizzouille, pizzouille, pizzouille. Le raid va se faire dans quelques secondes. Je sais plus quoi dire, quoi faire là. Panique. Oui, c'est fini. Je peux prendre congé. Oh. Elle va pas croire qu'il va pécho comme ça, Mzel Rebecca, le coquinou. Allez, go. Vas-y. Ça y est, c'est fini, les on est marre, moi, des Ah, oh, j'ai dit que j'en avais marre. Je les ai tous trucidés. Non. Non mais, hé, hey, lampe torche. Merci. Mais non, mais c'est nul. Mais je vois pas ce que je fais. Mais je suis dans les ténèbres là. Non, mais c'est nul votre truc. De l'eau. Enfin bon, bref. Si ça devait arriver, évidemment, je te le souhaite, ce serait bien pour toi. C'est pas mon truc. Ah, pas que tu mets. Non, bug de collision, là, je suis pas d'accord. Non, non. Donc là, j'ai un petit souci technique. Le son a à nouveau sauté au niveau de. Quoi? The Headster. Alors, si quelqu'un par hasard, je dis bien par hasard, hein, trouve la référence, enfin à quoi ça fait référence, The Headster, je sais pas ce que c'est, je m'en souvenais même pas. Pardon, je vais reboire un coup, j'ai soif. The Headster, ça doit bien avoir une signification, un clin d'œil à une œuvre que je connais pas. Alien Plasma Rifle. Et ben l'arme là, je crois qu'elle n'y était pas dans la version. Pardon. Mais j'ai une démangeaise à l'œil. Mais c'est génial quoi, de pouvoir partager des mondes ensemble. Alors là, je suis aveugle comme une peau. Je suis mi-op. Biop, je vais réussir à prononcer. Là, je vois mes deux écrans en super flou. Et ça fait presque de l'art abstrait. Alors voilà, bon courage pour le boulot, Olive. Hein. Hop là. Bonne journée, Olive. J'espère que ton taf, ça va bien se passer. Voilà. Et puis que tu puisses enfin souffler quand tu vas rentrer chez toi ce soir. Ah là là. Force et courage à toi, Olive. Eh, on y croit. Bah au moins, le temps de te déplacer avec un peu de chance, t'auras du temps, du beau temps. Du moins, je te le souhaite. Alors, on y retourne. Attendez. Du
Je sais plus. Oui, je faisais sans en tête. Ah oui, le jeu avait crash. J'en ai oublié que le jeu avait crashé. Hop, que je le relance. Oula. Comme ça, normalement. Je dis bien normalement. Je me remets le plein écran. Corridor Shivern. Il y a un léger décalage. Voilà, là je crois que c'est mieux au niveau de du fait de centrer le bazar. Oui, alors la confrontation. La confrontation. Ah. Je vais la tenter parce que là il s'est passé un truc. Mais je vais sauvegarder ailleurs. Le jeu a planté et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que là, je me suis retrouvé dans une configuration assez spéciale. Merde, mon store c'est déjà fait. On retourne au combat là. Ouh. Oh la vache. Ouais. Je pense que je l'ai pas mal entamé. Je lui ai bien tiré dessus. Brouh. C'est pas la bonne option. Soupir. Ah merde! J'ai. C'est dommage que je puisse pas faire des pas latéraux dans le jeu. Parce que pour l'esquive du tir, ce serait génial. Mais c'est pas le cas. Merdoum! Attendez, je rebois un coup, je me dope! Ouais, bah ouais. Il me tire. Et un seul tir, là, je suis mort. Parce que. La boule d'énergie bleue est tellement puissante que ça m'explose l'armure là, ça me. Ah, je sais que je l'ai entamé et qu'il n'y a plus le larbin. C'est un avantage. C'est un avantage. J'ai envie de tenter un dépôt de mine de faire ça. Merde! C'est le champ de force qui m'a buté. Enfin, le champ de force, le truc à énergie là, dans l'infrarouge. Oh, c'est tellement tentant. Parce que, hop, moins 5. Ouais, mais non. Là, je me suis offert à lui, là. J'aurais pas dû marquer un temps de pause. C'est le temps de faire la rotation, mais c'est débile. C'est débile. Ou alors, je tâte du mur. J'essaie de trouver un comment on appelle ça? Un passage secret, où il y aurait une salle où je pourrais me refaire. Éventuellement. Attendez. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Hein. Je conçois, mais. Non, là j'ai envie de dire, il n'y aura rien. Là, il y a les combinaisons. Oh là là. Ah! Adrénaline boost. J'avais même pas vu que j'avais de l'adrénaline derrière les. Ah bah! C'est plié là, c'est bon, je peux me le faire. Bon, bah j'ai bien fait.
Là, ça change tout, là. J'ai 300 points de vie. Meurs, salaud. Oh, la vache. Ouais, j'allais dire. Attendez. Ah non, elle est là, là. Merci pour le GG, Zach the Citron. Mais, vous voyez de l'intérêt de bien explorer les niveaux. Attends, là, je tâte du mur pour voir si j'ai pas un passage secret, un truc qui se pousse, mais apparemment non. Oh, c'est dommage. Tant pis. Allez, niveau suivant. Wouh! Voilà, ça, c'est la condition que je me donne dans ma partie. C'est Alien Eliminated 100%. La totalité des extraterrestres trucidés. Je fais un génocide, c'est horrible, mais je veux tous leur faire la peau pour faire une partie très propre. Oula. Oh, ce monde inconnu! Où suis-je? 38e, et c'est pas la bonne arme. Merde, il faut que je change de flingue. 38e niveau sur 40. On y est presque. Ah, le fusil du Kentucky, déguste. Ok, téléporté. Oh putain! Et les autres se sont pas retournés. Ils sont débiles. C'est ça. On va nettoyer, ouais. Toute la racaille. Ok. Je me suis fait prendre en sandwich, c'est la guerre. Bon, c'est pas la bonne arme. Je peux pas y aller tout doux à la chevrotine, bloum bloum bloum. Il va falloir que j'y aille au gros gros flingue. Ou pistolet mitrailleur. Une fréquence plus élevée de nettoyage. Je déguste le Gremlins là. Enfin, c'est pas le vrai nom Gremlins, mais ils m'y font penser. Oh, ces murs psychédéliques. Oh non! Ah, je suis dans la mouise. S'ils prennent le téléporteur pour me prendre en à revers, je suis dans la mouise. Fâche! Les salopards. Ah non, c'était la salle à côté, d'accord. Non mais là ils m'ont littéralement liquidé quoi. La configuration de la pièce. Qui c'est qui me tire dessus? Dur. Bonjour Fanfan. Waouh, c'est quoi ce mur? Waouh, énorme. C'est une technologie inconnue. Inconnue, inconnue, inconnue. C'est la guerre. Il y a encore 39 extraterrestres et j'ai plus que 6 points de vie. Ah non! J'en trouve 300! C'est offert par la maison! On y croit. C'est bon ça. Alors. Alors, alors, alors. Bah, téléporteur, pardi. Je suis condamné à prendre un téléporteur, moi. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Le niveau qui pique les yeux. Oh oh. Oh oh oh. Il y a du peuple. Bonjour le peuple. Le peuple des gneugneux. Vous avez reconnu le peuple des gneugneux?
vache. Ben, il en reste plus que 30 déjà. Attendez, il peut y avoir du passage secret là, parce que... Vu la configuration des lieux... Pariez combien qu'il y a une petite cavité, le mur de fond se pousse. Ah, faut la tenter. Faut la tenter l'instant. Enfin, plutôt là, parce que vu le dessin de la carte, après on peut pas facilement déboucher sur un. Non, il n'y a rien. C'est scandaleux. Remarché. Prout, prout. Ok. Ah, si. Il y aurait pu y avoir un passage. Il n'y en a pas. Je suis donc déception. Ah. Attention, là il y a du peuple. La guerre. Ah. Merdoum. Salopard. Il m'a bien allumé et j'ai perdu pas mal de munitions. Oh, doucement, je débite vachement mes balles là. Et oh, on va se calmer les aliens là. Putain, mais ils sont combien? Wow, il y en a plus que 16. Oh merde, un boss! Tu vas crever! Rambo! Allez, oui. Yeah. Alors là, je peux sauvegarder parce que j'ai fait un excellent nettoyage. Attends, sauvegarder là. Il faut pas sauvegarder quand on fait face à un ennemi. Alors attendez, il y a du peuple. Il y a du peuple. C'est qui? Attendez. Oula. Oulala. 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 Il m'a foutu les chocottes, cet abruti. Merde. Allez, balles de pistolet mitrailleur, ça y va là. Là, il y avait un alien au sol. Un autre. Blah. Blah, blah, blah. Merde, bah ça y est, j'ai plus de balles. Ah, merde. Alors. Squish. Il reste plus qu'un extraterrestre à la noix. Ah bah. Il est redoutable. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me barre tout de suite? Où je tente de trouver un énigmatique passage secret et m'en mettre plein les fouilles. Faudrait que j'essaie de m'en mettre plein les fouilles. Excusez-moi, du peu. Oh là là. Là, c'est tout autant de cubes qui peuvent se mouvoir et donner accès à une salle planquée. Oh là là, ce sadisme dans le dessin. Dans le dessin du niveau, je veux dire, évidemment, vous m'aurez compris. Je trouve plus de passage secret, je suis deg. Je suis deg, deg, deg. Mais quelle joie de jouer au jeu de mon adolescence et des années plus tard, découvrir une, j'allais dire une extension. La version complète, quoi. Bon, bah là, il n'y a pas de... The Sweet Deception. Tant pis. Allez-y, la suite. L'avant-dernier niveau. On y croit. On y croit. On va finir deux jeux ce matin. Trop bien. Extraterrestres.
J'ai vu une fois ce décor au mur. Une fois. Ah. Ok. Donc ça, c'est fait. Attendez, je suis en train de lire la carte des lieux, là, parce que... Hop, hop, hop. Ah, c'est le téléporteur de fin de niveau, dis donc. A-O-I-O-U-Y. Je l'attends. Ouh la vache. Alors, faut surtout pas toucher ces murs rouges qui font bobo. On peut presque dire que ce sont des murs lames de rasoir. Merdôme. Bienvenue en enfer, hein. Mais en enfer extraterrestre, la vache. Dans quoi j'ai mis les pieds, moi? Non! J'ai plus de flingue. Je suis dans la merde. Au secours! J'ai plus de munitions. Je suis dans la mouise. Je suis à poil. Non! Ah, c'est horrible! Pff, oh là là! Il faudrait que par chance je mette la main sur du matos, quoi. Mais comment? Là, il y a des mines, d'accord, mais c'est pas les mines qui vont m'aider à... Non. Alors? Ouais, non, là, ils sont trop nombreux. Cet avant-dernier niveau. Ça craint. Sans déconner, ça craint. Je suis déjà en train de me dire, est-ce que je vais pas charger la sauvegarde auto pour faire les premiers ennemis faciles aux petits flingues? Ça doit valoir le coup de les faire aux petits flingues. Parce que c'est les petits gneux. Et eux, ils sont pas difficiles à maîtriser. Enfin, wow, wow, wow. Depuis quand t'es aussi coriace, toi? Lui, il m'a bouffé la moitié de ma vie. Ça vient de sortir. Attends. Il y a l'autre grand schmibic qui vient de... Voilà. Ah bah. Oula. Alors, c'est cool. Il y a... des munes. Il y a des munes. Là, je me sens mieux. Je ne cesserai de me répéter de l'avantage stratégique. Merde, c'est limite si je claque pas la bise, moi. Je suis trop focalisé sur ma carte radar. L'intérêt stratégique de la carte qui dévoile le niveau. Ça aide énormément. Bon, allez, je sauvegarde quand même. Merde, il y en a un autre qui se promène. D'où venait lui? Tu viens d'où, toi? Non, meurs toi d'abord. Oh putain. Hop. Ah oui, c'est les petits... ouais. Hop. J'avais oublié qu'il y avait autant de pop. C'est pas le bon flingue, je crevais. J'ai pas le bon flingue. Oh là là, ils sont 650 milliards. Très mauvaise stratégie. Alors, la bonne arme.
La bonne arme, elle est ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en ai autant qui me tombent dessus? Bah, c'est la grande salle, en fait. C'est ça, le souci. T'as la vache. C'est la violence. La 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 la. Alors attendez, il y en a un qui est là. Bon là c'est le clair vert qui demi-tour, il y a du peuple dans mon dos. Ok, il m'a rien donné. Merdoum! Alors que j'allumais l'autre derrière, par-dessus son épaule. Le défi est relevé. Si proche de la fin. Finira-t-on ce jeu avant midi? Je suis fou, allez, je suis dans le téléporteur. Oh, oh non! J'ai vu, et vous l'avez vu sûrement, à l'angle à droite, il y avait un boss en mauve. Merde! Oh non, ils ont refoutu un Hulk mauve. Si j'ai un boss à tous les niveaux, c'est l'enfer. Oh la vache. Oh là là! Tâcherais bien de poser une mine à l'angle et me barrer, quoi. Parce que là, avec la mine, je m'assure d'un strike. Genre, j'en dégomme trop d'un coup, là. Avec la puissance de déflagration de la mine. Oups, putain. Oui, ils m'ont entendu. Merde! Ah, c'est parce qu'il y avait un cadavre à proximité. Donc la mine a 10 ennemis, donc j'explose. Et le temps que je me recule, j'ai pris un éclat dans la tronche et je suis mort. Ah, c'est dur. Ma technique était bonne. Oh oh oh, toi-même. Oh, tu me rigoles à la tronche. Hop là. Allez, des bandes de gros nazes. Oh merde. Ça me donne envie de chanter, ça. Ah, tu iras, tout recommencera. Le carnage finira, tu verras, tu verras. Bonjour, Twinsen. Bon allez, je me barre. J'ai joué la provoque et je vais attendre qu'ils viennent à moi. Enfin, s'ils veulent venir à moi. J'ai pas l'impression. Cool. L'autre, il a donné du... Il a donné de la pile. C'est bon, ça. Ah, pas lui. Dommage. Attends, j'ai un ennemi qui se promène. Il est rigolo, lui. Beaucoup de rigolo. Mais qu'il est mouru comme un caca.
tiens, je me le fais à la... au petit flingue, c'est très très bien. Il me reste que 24 points de vie en plus. Voilà, je les ai à l'usure, ça pique, hein. Déguste. Bon, tu me diras, ils m'ont fait déguster aussi parce qu'il me reste que 18 points. Si je vais là. Pardon. C'est une porte ça? Ah non, j'ai cru. Dans le dessin du mur, j'ai cru. Attends, mais je suis où? Ah, je suis là, d'accord. Oh non. Voilà. Là, je l'ai eu de manière stratégique, de manière intelligente. Et je suis fier de moi. C'est vrai en plus. Ah, il reste 23 trucidés durs. Oh, les voisins qui rejouent de la perceuse. Ils en ont pas fini. Oh, classe. Classe, classe, classe. Oh oui, adrénaline boost. Oh, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Ah oui, énergie. Re-adrénaline boost. Oui. Ça se refuse pas. Ah, oh, c'est la bonne salle. La salle où on refait le plein d'énergie. Oui, je me refais une santé. C'est ça qui est bon. Alors. Si j'économise mes balles et que je me le fais au petit flingue, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est très très bon. Alors, j'ai un... Putain, il y a des téléporteurs partout. Je suis où là? Ah, j'ai déjà fait ici, dis donc. Enfin, non, je... mais enfin, c'est vide. Putain, c'est trop psychédélique le truc. Oh là là, il joue de il y a un ennemi. Il joue du marteau et de la perceuse, il n'y a pas de doute. J'espère que juste vous, vous avez pas le retour, parce que c'est gavant. D'entendre le brrrr. On continue, ça rend fou. Alors, attendez, je sauvegarde parce que je progresse. Oh merde. Non, là j'ai pas le bon flingue là. Là ils sont nombreux. Encore que. Bon, je sais que j'ai beaucoup de points de vie, mais si je peux économiser les... Oh non, là, je prends très très cher, là. Oh, la cavalcade qui m'est tombée dessus. Oh, c'est la dernière réserve d'extraterrestres, là, c'est pas possible. Non, non, c'est pas le bon flingue. J'ai bien fait de sauvegarder devant le téléporteur. Ah, j'aime bien le flingue, là, en plus. D'ailleurs... C'est mon flingue favori. Dégusté, bande de sagouins. Attends, comment ça s'était produit? Ah, ils étaient passés dans le téléporteur, les salopards. C'est ça. Ouais, ils étaient... Ils cherchaient à me débusquer, en fait.
disais bien que je me faisais allumer par quelqu'un. Salopard. Je progresse. Alors, il y a tellement de téléporteurs que je sais pas lequel j'ai pas pris. Non, j'ai déjà pris celui-là. Ça, c'est déjà fait. Non, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Je vais essayer méthodiquement de respecter un ordre dans le parcours des couloirs. Non, j'ai pas besoin d'armure, j'en ai plein encore. Je suis à plus de 900 points d'armure, je suis tranquille à ce niveau-là. Alors, téléporteur là, je l'ai pas pris. Je suis dans quelle salle? Ah, je suis dans celle-là, ok. Là, il y a le Alien Disintegrator. L'arme ultime. Pourquoi il y a des paraboles ici? C'est la folie. C'est la folie furieuse. Ouais, il n'y a pas de passage secret. Où sont les passages secret? Là, il y a un téléporteur. Je sauvegarde. Mais j'ai déjà fait. J'ai déjà trucidé. Donc attendez, c'est à l'opposé. Celui-là, je l'ai pas pris. Si, si, je l'ai déjà pris. Merde. Y a plus que celui-là que j'ai pas pris. Oula. Ah oui, oh la vache. Oula meme. Il reste 3 extraterrestres, dont un boss, je le sais. Il y a le satané mauve. Il va m'en faire baver. Une fois de plus. Merde. Je sais plus où c'est. Ah, c'est l'horreur. C'est... Non, les mines, pas besoin là. Merde. Ah, c'est un... D'accord. Salopard. Comment qu'ils m'ont cueilli? Est-ce que j'ai droit à des gros bonus dans la grande salle? Non, apparemment, je peux aller me faire voir. Il y a quelques incubateurs, là. Enfin, des trucs à bassine biologique. Le dernier téléporteur... Attends, mais il y a un truc que je piche pas. Il y a une partie de carte que j'ai pas faite. Pourquoi? Attendez, là je suis là, ok. Si je vais là, je suis... Ah non, ça correspond à ça, d'accord. Ok, 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 ok. On est d'accord que derrière les murs rouges, il n'y a rien de spécial. C'est juste, entre guillemets, du décor bien glauque. J'ai pas à y aller, j'ai rien à récupérer. Visiblement, il n'y a rien. Donc, je vais pas m'entêter. Et du coup, le bon truc, c'est celui-là. Non. Bah, il est où le téléporteur qui m'amène au boss? Je comprends plus. Celui-là? Ah oui. Va mourir! Il est mort. Oh là là. Oh là là. Oh oui. Oh là là. Oui, je vais m'en mettre plein les fouines. Bon, la ville d'Arabité, on s'en fout, mais au moins ça me permet de récupérer des munitions. Ah, c'est génial. On va arriver au dernier niveau. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon.
Le dernier niveau. Qu'est-ce que je vais avoir? Un combat final contre un super ordinateur? Contre un super extraterrestre? Qu'est-ce qui m'attend derrière ce dernier portail? Ah! Je veux savoir. Enfin, ouais. Le dernier niveau. Ils sont 49, les salauds. La vache. Vite, la sphère d'invulnérabilité. Il y en a encore là, vite, avant que je redevienne normal. Hop, armure. Ah, c'est chaud, cacao, chaud, chaud. Ah, munitions. Putain, au niveau de la vie, j'ai morflé. Bon. Oh la vache, oh la 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 la. Ou alors j'essaie de faire mieux en chargeant la sauvegarde de début de niveau, mais il faudrait que je me précipite, pardon, attendez. Il faudrait que je me précipite sur la sphère d'entrée de jeu, ça va être dur. Ah non! J'ai gardé mes 100 points de vie. Oh, intéressant. Ils sont tous morts? Je crois. Ah, puis j'ai la carte du niveau. Ah, bah là, j'ai mieux joué, là. Là, j'ai beaucoup mieux joué. Bon, bah, j'ai bien fait de recommencer. Qu'est-ce que... Oh, merde. Qu'est-ce que c'est? Ils sont 44. Vous voyez bien le dessin du niveau. C'est un truc de fou. J'ai même pas été menacé. Trop fort. Trop fort. Oh le pied. Ce final. Dantesque. Génial. Génial, génial. C'est la fête. En fait, quand je reste dans la case du téléporteur, ces nigauds ne réagissent pas en fait. À ma grande surprise. Donc là, je garde tous mes inconvénients, j'allais dire, tous mes avantages. Non, sérieux? Je suis en train de me promener, là, il reste plus que 30 ennemis. C'est énorme. Mince. Y a pas un... Non, il n'y a rien qui coulisse. Alien Plasma Rifle. Attendez, merde. J'essaie de lire sur la carte où je suis. D'accord, je suis là. Merde, con, je regarde du mauvais côté, moi. Oh, il m'a bien fait mal, salopard. Oh, un Gugus en armure. Un mini-boss. Enfin, si, je le considère comme un boss. Parce que faut pas le négliger, il est balèze. À sa manière. La suite. Ils sont plus que 23. 23. Merde. Je suis en train de me faire voir. Ils sont plus que 23. Sont plus que 19. Oui, de l'adrénaline. Oh, c'est bon, ça me fait 600 points de vie. Qu'est-ce que... Oula. Oula, dans quoi j'ai mis les pieds, moi? Ok.
L'étau se resserre. Là, j'ai personne. Attendez, là, il y a du monde. Salopard! Du monde là. Là, il n'y a plus personne, donc je vais pouvoir y aller. Fâche. Hop, 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 hop. Je suis en train de me faire cerner. Vite, 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 faut que je bouge. Je bouge, voilà, qui me cueille pas. Dur. Putain, c'est quoi ça? C'est l'extraterrestre en chef? Ça doit être le boss ultime. Ça doit être l'extraterrestre en chef. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon. Énorme. Je connais mon véritable ennemi. C'est lui ou moi. Oh la vache. L'arme est la bonne, je pense. L'arme est la bonne. Attendez. La reine mère, ouais. Avec des cornes, ouais. Ouais, mais il bouge pas, c'est juste trop bizarre quoi. Youhou. Ça se passe très bien là. Il n'y en a plus que trois, dont la reine mère, on va dire. Comme le dit si bien Sex de Citron. Ah bah, là, la reine mère qui vient me dire bonjour. Viens par ici, la reine mère. Viens me dire bonjour, la reine mère. J'ai l'arme ultra destructrice en main. Viens déguster, la reine mère. La reine mémère, là. Merdoum, je fais comment maintenant? On va faire un test. Je vais sauvegarder à part. Tiens, pour le fun. La reine mémère. Ah mince, je suis en clavier américain. Attendez. J'avais oublié. La reine mémère. Ouais, c'est ça. Backcross. Mince, con, c'est déjà fait ça. J'y retourne. J'ai pris l'arme la plus destructrice du jeu, qui est quasiment un flingue thermonucléaire. Je vais lui faire déguster une bombinette atomique. Merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le téléporteur qui a faussé mon tir. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Alors attends, j'ai l'autre qui va arriver forcément. Oh! Ah, c'est le portail du retour peut-être. Attendez. Oh! Il est polymorphe, c'est pas croyable. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il est devenu super polymorphe. Attendez, je vais mettre une mine. Qui déguste. Viens déguster, mon vilain, viens. Oh, de l'adrénaline. C'est bon, ça. Allez, viens mettre le pied sur la mine. Viens commettre l'erreur fatale.
Il a marché dessus. Waouh! Waouh! L'alien qui prend toutes les formes. Ah, mais il est mort? C'est un gros caca. Une fois mort. Oups, ça peut pas marcher dedans par contre. Oh, j'ai fini le jeu. Ah, il y a des champs de force autour, c'est dégueulasse. Et si je tire dessus, je le détruis. Donc je condamne mon arrivée dans le monde réel. Attendez, je teste. Parce que normalement, c'est mon portail de retour, ça. Ah non. C'est la fin. Merci pour les GG. Ah non, il prend le portail quand même. Donc il rentre sur Terre. Il se sacrifie pas, j'ai l'impression. Pendant ce temps, sur Terre. Enfin, si j'ai bien traduit le Meanwhile. Mais si, il passe le portail. Donc il rentre sur Terre. Et là, il bousille au retour le... Voilà. Et là, l'artefact est désactivé. Voilà, les extraterrestres, normalement, ne devraient plus se pointer. Ah putain, alors attendez, il faut que je vous explique plusieurs trucs là. Faut qu'on fasse un test et que j'explique. Voilà, il verrouille dans un énorme coffre-fort. Merci. Ah! Pour exhibiting a high degree of bravery, we present to you this country's most prestigious award. Alors, là j'ai 100% en stats. Ça c'est cool. Alors, il faut que je vous explique un truc. Parce que la version disquette, quand vous détruisez le portail du côté terrestre sans pouvoir atteindre le monde alien, du coup, comme il n'y a pas les niveaux 30 à 40 dans la version disquette, j'ai une autre fin. En fait, on voit le héros dans sa combinaison spatiale qui déambule dans un corridor côté terrestre et qui réactive un disjoncteur. Et puis, on voit le... Comment on appelle ça? On voit le feu d'artifice avec la médaille remise. Voilà, là, j'ai pas tiré dessus, mais on a la séquence de fin. Et ça, ça c'est la vraie fin, du coup, que je connaissais pas. Ok. Mais, alors, pardon, je passe la cinématique de fin. Là, vous voyez, j'ai 97% de réussite. Parce que j'ai pas buté le portail, qui est considéré comme un alien. C'est ça qui est dingue. Mais excellent. La reine mes mères. Ah, c'est bien que ça reste comme ça dans le monde de la sauvegarde, c'est rigolo. Pour marquer le coup. Mais sympa le coup du gros caca au niveau de l'extraterrestre principal. Allez, un vrai grand final avec l'arme la plus violente. Eh ben, je suis ravi d'avoir fini l'un des jeux phares de mon adolescence. D'avoir découvert avec vous donc la version complète. Avec les 10 niveaux qui me manquaient de 31 à 40, quoi. Du côté des extraterrestres. Énorme. Alors moi, évidemment, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai adoré. Vous, j'espère que ça n'a pas été trop chiant. Parce que je devine que c'est moins drôle à regarder qu'à jouer. Mais waouh! Eh ben punaise, on a fini deux jeux aujourd'hui. Le Killing Time avec l'île mystérieuse avec l'Egypte, là. Que j'ai fini en un quart d'heure chrono ce matin. Et celui-là. Cool! Waouh! Trop bien. Ibi. Ouais, ouais. J'ai sauvé la Terre de la menace extraterrestre. C'est beau. Oui, donc mes stats.
Ah, j'ai quasiment un tir sur deux qui touche. Hein. 54% d'efficacité. Score final, 1,6 million. Waouh! Voilà, je dois terminer sur un waouh comme j'aime les faire. Waouh! Merde, oh, je vais y arriver. Waouh! Alors, le prochain jeu, Jacques Chirac. Alors, le Jacques Chirac GIGN sur PS2, je l'oublie pas. Je l'ai pas repris en main depuis, mais je ne l'oublie pas. Il va revenir assez rapidement. Je pense qu'il va revenir au moins une fois dans le courant du mois de février. Et il faut que je m'organise. Le problème du GIGN, c'est que pour faire un essai, il faut du temps. C'est ça le problème. Il faut une longue session de test. Parce que vous avez vu avec moi le jour J de l'inauguration de ma chaîne, le 1er janvier, rien que pour faire une boucle de l'entraînement, il faut facilement 3 quarts d'heure. Alors, tu nous dis quoi? Je suis pas très familier des FPS pré-année 2000. J'ai pas eu accès à ce genre de jeu aussitôt. J'étais plus sur les jeux de course console, mais la découverte est sympa. Ok. Et FanFan trouve que ceux d'avant 2000 étaient les meilleurs. Bah, c'est la critique que je faisais à la fin du Killing Time tôt ce matin. C'est-à-dire qu'il y avait du génie, de l'innovation, dans le sens que ils ont essayé de s'extraire du côté bourrin à la base FPS pour rajouter des énigmes et un côté labyrinthique bien pensé, sans en évitant d'ailleurs, je trouve intelligemment, la répétition au niveau des décors et puis quelque part des ennemis quoi. Puis l'idée d'intégrer des acteurs en vidéo à l'époque c'était vachement ambitieux quoi. Franchement c'est Killing Time, il a son charme. Merde, je suis en train de voir que j'ai laissé brancher toute la nuit une batterie sur mon ordi alors que j'aurais dû la débrancher hier soir. Attendez, attendez, excusez-moi. Bah, le temps de faire la manip, je reviens vers vous. Je vous mets encore une petite compilation de clips, j'arrive tout de suite. Raison, tu ne sais. Le test des sons, c'est comme ça que les développeurs. Ah, merde. Petit évier. Il y a quelque chose dans l'évier? Oh! Oh merde! J'ai fait bugger le jeu. Le bug de l'évier. Je suis parvenu à encastrer. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Man, du wow. C'est pas ça? Moi, je gère le chat, hein. Chacun son truc, hein. Oui, On ne non, mais c'est. mélange pas. J'ai l'impression que quand je mets la compilation des clips, il me rejoue en boucle dans le même ordre. Alors que j'avais souvenir qu'avant c'était en aléatoire. Alors est-ce que j'ai changé accidentellement un truc? Je sais pas. Mais c'est idiot que ce soit plus aléatoire. Y'a pas de bah, il est quasiment midi. Je me vois pas démarrer un jeu maintenant. Je pense que je vais observer ma pause déjeuner maintenant. Ce que je veux bien faire avec vous, c'est un point sur le tableau mystère. Parce que je vous avouerai que j'ai pas du tout regardé les propositions que vous m'avez faites cette semaine. Attendez. Attendez, 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 attendez. Là, je vais dire tableau mystère au niveau de qu'est-ce qu'on fait. Et je vais déclarer du just chatting. Je vous cache pas que je suis motivé à faire le point sur la situation. C'était quoi déjà le tableau? Je m'en souviens même plus. C'était quoi qu'on faisait? Ah, c'était celui-là. Il y avait quatre propositions sur le huitième tableau. Attendez que je rouvre mes. Attends, il faut que je rouvre le tableur aussi. Merde. Ah, et merci SDR qui s'est réabonné dans la nuit. Merci à toi. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais eu la notification de ça hier soir. Ah oui, non, mais là je suis condamné à attendre que mon tableur s'ouvre. J'en ai pour 1 minute. Alors, la liste des propositions, je sais plus du tout où j'en suis. J'ai des réponses de FunFan et de Twinsen. Alors, je vais attendre que mon tableur soit lisible. Ce qui est toujours pas le cas. Ah, voilà. Attendez, 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 attendez. On est le combien déjà? On est le 5-2, il est midi, bon appétit si vous passez à table. Alors, le tableau des réponses, je le prépare gaiement.
Alors, qui m'a dit quoi? Déjà, c'est l'8. Je suis même pas sur les réponses, moi, dans mon bazar. Alors, j'ai pas une bonne réponse. Alors là, j'ai une bonne réponse. Pour une scène qui parle de Power F1, c'est effectivement Power F1. Alors, Power F1, Twin Sen. J'ai un Rise of the Triad de proposer, c'est exact. Bonne réponse de Twin Sen. Ok. Donc ça, c'est la bonne réponse de Twin Sen. C'est bien, il a même précisé Dark War, la sombre guerre. Mince, qu'est-ce que je fais? C'est pas dans le bon champ. Ça, c'est le jeu à trouver. Et ça, c'est l'auteur de la bonne réponse. Alors, tandis, 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 tandis. Qui c'est qui m'a parlé de Deus Ex 1? C'est Fun Fan et c'est pas une bonne réponse. Désolé. Ça, c'est pas une bonne réponse. Arcanoïde, premier du nom, trouvé par Twin Sen. Très bien. Je sens que Twin Sen a rincé le tableau une fois de plus. Vous me direz, c'est pas une surprise. Il adore le jeu. Donc, va y avoir tirage d'un nouveau tableau. Bah, ça me fera du boulot entre midi et deux. C'est pas plus mal. Ah, un jeu que j'ai beaucoup aimé, que je vous referai peut-être à l'antenne un jour. Le Terminator Skynet, ouais. Futur choc, ouais. Mais je te l'accorde parce qu'on confond facilement les deux. Tac, tac, tac. Je vais pas vous faire suer avec. Les deux opus se ressemblent comme deux gouttes d'eau, comme j'ai fait les deux. Allez, je vais pas faire mon difficile. Ça va être l'occasion pour nous de faire un autre tableau mystère. Alors d'abord, faut que j'attribue les 2000 points, 4 fois 500 points, à Twin Sen. Tac, tac, tac. Alors, s'il vous plaît. Oui, on va manger. Bon app, Romanus Kaiutus. Bon app, merci tout plein. Alors, les points pour Twin Sen. Pap, pap, pap. Tableau mystère. Yeah! Ça fait 4 fois 500 points, ça fait 2000 points à la cagnotte de Twin Sen. Il est fort, il est fort, il est fort. Allez, on va se faire un tirage de tableau. Moi, je me prépare un nouvel espace pour noter vos bonnes réponses, vos futures bonnes réponses. Oula, 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 doucement, on se calme le tableur. J'ai la folie. Alors, au secours, je suis perdu dans mes plans de caméra. On veut la roue. La roue du tableau mystère. Et l'abruti que je suis n'a pas lancé l'application pour pouvoir faire tourner la roue. Ça craint du boudin. Elle est où d'ailleurs? Je sais plus. Elle est là. Minute à papillon. Nous allons tirer avec la roue le chiffre des dizaines du futur tableau. J'attends que mon application se charge. Je vous le relis rapidement. Je vous relis rapidement. Je vous relis rapidement. Tac, 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 tac. Oui, donc ça va, je vous ai pas mis devant. Je m'en serais voulu au niveau de ce que vous m'avez écrit dans le chat. Parce que vous pensez bien que j'ai le pif dans ma technique. Allez, chiffre des dizaines. Ce sera 0. L'unité, ce sera le 0,7. Est-ce qu'on a déjà joué le tableau 0,7? J'ai peur que oui. Eh oui, on l'a déjà joué le 7. En fait, ça a été le deuxième tableau mystère qu'on a fait dès le jour de l'inauguration. Donc c'est reparti pour un tour. Chiffre des dizaines. 4. Unité. 43. Je vérifie. Est-ce qu'on a déjà fait le tableau 43? J'ai envie de dire, je ne crois pas. Non, on l'a pas fait le 43. Eh ben, c'est parti. Allez, go. 43. Bravo, j'ai marqué 73. N'importe quoi, moi. Ce jeu est truqué. Oh, merde. Ah, c'est nimp. Non, 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 je me suis planté. Ah! Voilà. Alors, 43, où est-ce qu'il est celui-là?
Tableau 43, je vais vous laisser au moins 2 minutes pour chercher le 43 qui est où, qui est là. Attention, c'est parti! 6 jeux! Trouvez-moi les 6 jeux qui composent ce 43e. Oh, il y en a un, c'est Fastoche. Enfin, pour moi, c'est un classique dans le lot. Il y a 6 jeux à vous d'essayer de trouver. Ou alors, je suis mon sadique et je vous mets ma tronche. Mais ça vous aidera pas. Donc, je remets le tableau. Oh, attendez, on va se mettre un peu de zik. Le temps que vous ayez le temps de réflexion, là. Je mets quoi comme musique que j'aime bien? Allez, Touch the Sky. Elle est belle, cette musique. En plus, elle dure pas longtemps. Allez, vous avez le temps de la musique pour regarder le tableau. 3 minutes. Merde, j'ai pas initialisé ma liste de... Oula, de réponses. Vous inquiétez pas, hein, je maîtrise. Je maîtrise. Voilà, ça c'est les réponses du jour. Alors, que je regarde déjà ce que vous me proposez. Merde, mais en plus je suis pas à la page. Alors le 43, les réponses elles sont là. Oh, j'ai vu une bonne réponse. Une bonne réponse de Zex de Citron, c'est bien. Non, par contre, l'autre réponse, elle est pas bonne. Alors, c'est bien le Blood Omen, Zex de Citron, tu l'as trouvé. Tac, tac, tac. Donc, je n'attends plus la réponse Blood Omen. Ça a été trouvé par Zex de Citron. Par contre, moi, il faut que je me rappelle de l'image qui lui correspond, que je lui accole le A été trouvé. Ça va vite se faire, vous en faites pas. J'attribue les points à Zex de Citron. Très bien. Hop là. Alors, attendez, le bleu de mène. Moi, il faut que je regarde dans mes fichiers. Allez-y, hein, prenez le temps de la musique pour répondre. Moi, je vais regarder ma solution dans le montage. Merde, on avait dit quel tableau qu'on faisait? Je sais plus. Le 43. Ok. Le 43. À quoi correspond le Blood Omen? C'est. Oh là, le temps que mon truc image se charge. Ah ouais, c'est cette vue dégueulasse. Enfin, dégueulasse, je suis méchant. Mais cette vue à la... Putain, dans mon photomontage, je retrouve même pas. Attendez, mais comment vous avez deviné en fait? Ah non, c'est le truc de vampire sur le côté cathédrale. C'est l'interface qui vous aide à trouver le truc. Oui, il est là, le Blood Omen. C'est ça. Mince, pardon, je me suis trompé. J'ai cliqué là où il fallait pas. C'est ma faute. Oula, 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 je vois des réponses qui arrivent. Je vérifie. Je vérifie. Alors attendez, j'en étais où? Ça va vite quand même. Hein. Oh, avec qui des bêtes. Fun fan. Non, il n'y a pas de cigare dans. faudra nous faire un Josh Chatty pour nous raconter ta première année de jeu parce que tu as des références assez peu populaires et c'est flop. Attention, attendez, 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 attendez. Si vous parlez des tableaux mystères, je tiens à vous prévenir. Je suis loin d'avoir fait tous les jeux que quand je compose mes tableaux mystères. J'ai ma recette à moi, que je ne vous dirai pas. Je vais évidemment pas vous donner mes sources. Mais il y en a certains que j'ai joué. Là, par exemple, celui en bas avec le flingue et l'écriture en vert, j'ai joué souvent en plus, quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, c'est une scène à trouver. Donc c'est le Fallout. Bien joué. C'est celui-là que j'ai joué quand j'étais jeune. Alors attendez, je vais noter comme quoi Tune Sen a trouvé Fallout. Donc c'est Tune Sen qui a trouvé Fallout. Tac, ok, je note, je vais attribuer les points tout de suite avant d'oublier. Alors, cadeau à Tune Sen, 500 points.
Ok, d'accord, parce qu'il y a le personnage de Klepto est pas mal, le jeu où il y a Klepto. Ouais, bah oui. Foui, 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 foui. Alors, est-ce que vous me donnez d'autres bonnes réponses? Non. Non, non, Zek, c'est pas ça. Attendez. Attendez, je dis des bêtises. Non, si, c'est ça, pardon. Pardon, bonne réponse. Comme un gros négo, j'ai regardé une autre ligne de réponse dans mon tableur. Waouh, faut que j'arrête mes âneries. Bonne réponse de Zex de Citron. Pas Twinset, je suis tellement habitué que. Non, non, attends, c'est très bien joué de ta part. Oui, attention, titre double. Mais je compte sur toi, mon cher Twinset, pour insister et dire non, non, il a aussi un autre titre sur l'autre continent. Je suis bien content que tu fasses une partie un peu de mon taf du coup. Attendez, là je rigole plus parce qu'il faut pas que je me plante dans les commandes. Voilà, 500 points pour Zex de Citron. Il faut que je retrouve l'image qui correspond au jeu trouvé. Donc il a trouvé Eyes of the Truchmuche. Et c'est ça, Eyes of the Beholder. Oui, c'est les persos, ok. Donc, dans le montage, il faut que je mette ça là. Voilà, au niveau des persos, déjà trouvé. C'est ça. Il reste encore 3 jeux à trouver. Je regarde une dernière fois si vous m'avez proposé un truc. Non, vous commencez à sécher. Ce qui veut dire que on se retrouvera cet après-midi pour je sais pas quel jeu. Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire. Improvisation totale. Je vais peut-être reprendre ce que j'avais déclaré dans l'agenda, c'est-à-dire, vous savez, la Mega Live. Essayer de faire un peu de Sonic et un peu de Street of Rage. Je pense que ce serait sympa de démarrer comme ça. Alors, je reprends vers à partir de 14h. Je vais pas me bousculer, je vais prendre mon temps. Je vous cache pas que je vais prendre un petit peu de temps pour moi là, ce samedi. Parce que après, je vais complètement enchaîner l'après-midi. C'est-à-dire que quand je vais reprendre l'antenne, je vais aller jusqu'à 21h pour moi. Faire un relais de chaîne chez l'ami FunFan où on va faire la suite de, en épisode commenté de Runaway. Et je vous parlerai, croyez-moi que ça vaut le coup. Je vais parler ce soir des œuvres d'art, parce qu'on avait vu un perso dans le chapitre 2 la semaine dernière où il y avait une dame qui restaurait les œuvres d'art dans un musée. Et j'ai fait des recherches cette semaine sur ce métier-là. C'est super intéressant. Je vais vous donner des chiffres par rapport au mécénat ou comment on restaure les œuvres. Et surtout, je vais vous parler des œuvres qui ont été massacrées lors de restauration amateur. Ça vaut le coup d'œil. D'ailleurs, il faudra que je fasse dans ce sens un dépôt sur le Discord de FunFan. Bref, bon appétit, bonne pause. Je sais pas si je vous fais un relais de chaîne. Attendez, est-ce que je connais du monde chez qui je pourrais vous envoyer? Oh, je vais peut-être vous envoyer chez l'ami Récif. Il est cool, il fait Dying Light 2. Il est adorable, Récif. Donc je vais vous laisser chez Récif et nous on se retrouve en début d'après-midi. Donc prenez soin de vous. L'ami Récif, attendez que je maîtrise mon interface. Merci à vous d'avoir été là. Un gros bisou tout plein. Je crois qu'il n'y a pas eu d'événements spéciaux en dehors de raid, je sais pas quoi machin. Non, ça a été calme ce matin, c'est bien. C'est cool. Non, ça c'est pour changer les infos de stream. C'est pas pour faire un relais de chaîne. J'ai pas l'air idiot. Allez, Récif, il fait du Daylight et c'est un mec super cool. Gros bisous et à tout à l'heure ou à la prochaine pour ceux qui seront pas là cet après-midi. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. Bisous, bisous. Allez, zou, chez Récif. Un problème est survenu. Merde. Mais... Ah, je vais devoir le faire manuellement, mais tout est cassé. Attendez, raid, pas host. Tout est cassé en ce moment chez Twitch. Bon. Oh. Allez, je vous mets la compile des clips en attendant que le raid se fasse. Allez, bisous, prenez soin de vous, merci d'avoir été là. Raison, Twinset. Le test des sons, c'est comme ça que les débloqueurs... Petit évier. Il y a quelque chose dans l'évier. Oh merde. J'ai fait bugger le jeu. Le bug de l'évier. Je suis parvenu à encastrer. Oh, qu'est-ce qui s'est passé?
Wow, c'est pas ça. Moi je gère le chat, hein. Chacun son truc. Hein. Oui, oui, on non, mais c'est ça. T'es un chef, merci. Ah bah vous m'apprenez un truc, moi je croyais que mon lien était intemporel. Il faudra que je rechange le lien, que je mette à jour tout ça. En fait, il y a des invitations temporelles et il y a des invitations intemporelles. Oh, les... Ouais, je verrai. Au plaisir. Ce sera 100% plaisir, les copains. Merci à vous, prenez soin de vous. Bon app, si vous êtes à table. Oh, je vais aller chauffer ma pizza. Pizzouille, pizzouille, pizzouille. Il est sage et merci. Dans quelques secondes. Et bienvenue au Raider. Je sais plus quoi dire.